Alors, d'une part, Nadine Touzeau, qui est profiler, qui fait de l'analyse comportementale depuis un certain temps et qui est reconnue dans son métier. Et d'autre part, le parésiaste. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire son vrai nom, mais c'est un Oui. personnage. Frédéric Bascugnana, alias le parésiaste. Qui a une plume acérée sur X où il a de plus en plus de suiveurs. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Je vais d'abord donner la parole à Nadine qui veut nous parler de l'actualité brûlante, à savoir parler du profil de notre Premier ministre. Alors déjà, je précise, j'ai pas de compte X, désolée. Je Yes. milite pas sur X pour plein de raisons. Mais je regarderai de temps en temps. J'ai déjà regardé concernant Frédéric, puisqu'on a le droit de dire son prénom. J'ai pas de compte X. Au début, en fait, je ne supportais pas X parce que j'avais l'impression que c'était plutôt une salle d'attente de psychiatre. Où des tas de gens déblatéraient un ensemble de choses de ce qu'ils n'étaient pas capables de dire dans la vraie vie. Et vraiment, au tout début, hein, quand ça s'appelait Twitter, mais il y a très très longtemps, j'en ai fait une citation, que c'était pour moi un endroit de gazouillis où les gens évacuaient tout ce qu'ils étaient, ils sortaient leur venin de ce qu'ils n'étaient pas capables de sortir dans la vraie vie, tous les jours, dans le réel. Ce qui d'ailleurs fait partie de certaines choses de mes travaux de recherche, le comportement derrière l'outil connecté et dans la vraie vie est totalement différent. Donc ça, on pourrait en débattre pendant des heures. J'ai fait des théories scientifiques sur ce sujet-là qui sont étudiées dans certains pays. Et Twitter, pour moi, était l'exemple, mais vraiment parfait. C'est pour ça que je n'ai pas X en priorité, parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle X. Quant à Michel Barnier, alors bon, je n'ai pas lu tout ce qui a été dit dessus, mais il se trouve que je viens de sortir une émission Profil m'en vôtre, puisque j'ai mes émissions aussi qui s'appellent Profil m'en vôtre, et on pourra en faire une avec Frédéric s'il veut aussi, sur le Sahara, notamment avec Maître Fabrice Bonnard, où il a expliqué encore les dérives comportementales de, moi je l'appelle Macouille, enfin le squatteur de l'Élysée, c'est ce nom que je lui ai donné, ça m'est sorti comme ça, le squatteur de l'Élysée qui très clairement a donné quelque part une partie du Sahara, ou voire l'intégralité, au Maroc. Et donc, je ne sais plus comment ça s'appelle, le peuple du Sahara s'est retrouvé complètement bloqué, complètement pris en otage par rapport à cette décision qui est gravissime. Hein. C'est quelque chose qu'il a cité quand même à l'ONU, devant 193 autres États, et qui aussi fait défaut au niveau de l'Algérie. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été un sujet extrêmement important, mais nous avons évoqué le sujet de Michel Barnier. Très simplement, en mettant en évidence que c'est un ancien membre des JO, c'est lui qui a fait les JO d'Albertville. Donc, on sort des JO actuellement, les proximités avec les gens des JO, vous voyez comment ça se présente depuis. On a fait une émission aussi avec Stéphanie sur ce sujet. Et cette personne donc, est très proche de la Commission européenne. Donc, en gros, très clairement, ça va être un gros trancheur de finances pour nous trucider au maximum. Et il le porte fortement son profil. J'ai une photo que je montre, que j'ai mise sur mon portable, qui est celle-ci, hein, qui pour moi est très éloquente parce qu'on voit à quel point il est froid, dénué de sentiments, dénué d'émotions, dans le sens il n'y a rien qui va le toucher s'il doit accomplir sa mission, qu'il ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc il n'a pas d'humanité en soi. C'est quelqu'un qui ne met pas en évidence l'humanité. Qui détient énormément de secrets, que je vois sur cette photo, et que ça ne le choque pas, il le vit très bien, c'est pas quelqu'un, quelle que soit la violence des secrets, je vais vraiment le dire avec ce mot-là, c'est quelqu'un qui le vit très bien, c'est pas un problème pour lui, c'est comme un rouleau compresseur, ce type-là. Mais alors, en force tranquille, tu vois, c'est pas le mec qui arrive avec le gros bazooka, moi je vais tout pousser, je vais tout dézinguer, etc. C'est plutôt, il a déjà le rouleau compresseur en lui. Et en fait, quand tu seras passé sous le rouleau, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est un rouleau compresseur. Mais pas avant. Tu vois, il y a certains comportements de personnes où on les voit arriver. On se dit, lui, c'est sûr, on va se faire, ou elle, ça peut être une femme aussi, on va se faire avaler tout cru. Alors que lui, non. Il paraît rassurant, il paraît sage. En plus, on passe d'un junior à un senior. Il y en a un qui était quasiment encore en couche-culotte. Et là, ça peut être aussi des couches-culottes, mais différentes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça rassurerait peut-être plus le peuple, ça je n'en sais rien. Toujours est-il, c'est que sous ces airs rassurants, il n'y a rien de rassurant du tout. Mais absolument rien. Donc, ce n'est pas quelqu'un de confiance,
C'est, il va faire ce qu'on lui demande, comme il a décidé de le faire. C'est un politique. Comme beaucoup de politiques, ben, c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup au milieu. Je te mets la marche arrière ou trois vitesses avant. Mais c'est jamais vraiment totalement dans un fil conducteur qu'ils suivent. En tout cas, lui n'en a pas. Et en plus, je crois qu'il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'argent et le pouvoir. Voilà en gros ce que je peux dire sur cette personne-là. Donc, c'est absolument pas rassurant. Enfin, on n'a jamais rien eu de rassurant depuis quelque temps. Mais je pense que là, on a quand même un dinosaure de la politique hein, française. Et pas que française, puisqu'il a des ramifications avec l'international. Qui dit dinosaure, dit réseau. Gros réseau, très gros réseau. Et pas joli réseau. On voit bien hein, ce qui se passe. Et donc, ce rouleau compresseur, il faut faire attention parce qu'il va arriver tranquillou, mais on sera déjà avalé. Hein. C'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je voulais mettre en évidence certains éléments de son profil. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Frédéric ? Pour ma part, je vous dirais que ma principale préoccupation quand je parle de ce genre de personnage, c'est de ne pas redire ce que j'ai moi-même lu un millier de fois sur X et je ne vais pas l'infliger à nos auditeurs. Donc, je vais faire ma petite synthèse et essayer de vous dire ce qui, à mon avis, ressort de plus important. D'abord, il faut sortir du débat sur vieux, pas vieux. D'ailleurs, personnellement, je vous dirais que je suis plutôt pour les vieux en politique parce que je préfère que l'hubris et les passions narcissiques soient calmées avec l'âge. Peut-être on peut espérer une forme d'accès à une forme de sagesse. Hein. C'est le philosophe Cioran qui disait « Je me méfierais de tout homme politique à moins qu'il ne soit atteint de gâtisme. » Je trouvais la formule amusante. Je préfère un homme gâteux plutôt qu'un homme présentant des aspérités à l'ambition et au délire totalitaire. Hein. Il faut bien savoir qu'il a écrit ça dans Histoire et Utopie au lendemain des totalitarismes, etc. Donc, ayant grandi avec Cioran, j'ai toujours cette idée-là que vaut mieux des vieux, un peu assagis, on l'espère, que des jeunes fous. Ça ne veut pas dire que les jeunes ne soient pas parfois brillants, hein, la valeur n'attend pas le nombre des années, bien sûr. Et ça ne veut pas dire que toute la vieillesse, l'accès en tout cas à une certaine senioritude, soit systématiquement une garantie de qualité dans la prestation. Vous voyez ce que je veux dire ? Et alors, maintenant, je peux un peu mieux spécifier comment je vois un gars comme Barnier. Lui, chez lui, peut-être que la vieillesse amène une forme de sérénité, de bonhomie, de bienveillance dans le propos, dans la forme. Il est tout en rondeur, c'est un bon négociateur. Mais je le vois plutôt comme quelqu'un qui s'est enquisté dans la raideur et la fixité de sa pensée et de son idéologie. C'est-à-dire que chez lui, en fait, l'âge vient aggraver le point de départ. C'est-à-dire le point de départ qui est l'adhésion, non pas d'ailleurs clairement à une idéologie, mais plutôt sa forme, ou sa protéiforme qui évolue avec le temps pour pouvoir se garantir une place dans l'écosystème politique. Il me semble que ce personnage-là, eu égard à toutes les historiques et les bios que j'ai pu lire en long, en large, en travers, en diagonale en ce moment, il me donne l'impression d'être quelqu'un qui persiste dans sa raideur et dans sa capacité d'autosatisfaction comme faisant partie des caciques du régime. Et j'en veux pour preuve, évidemment, sans reprendre tout un tas de choses qui ont été dites, notamment sur son européisme pathologique, sa participation évidemment à l'écriture des traités à la validation du traité de Lisbonne, la trahison du peuple après 2005, c'est le maastrichtien pur qui donne l'impression d'avoir constamment sauvé sa peau et d'avoir survécu à tout un tas d'administrations successives pour avoir ses accointances et ses entrées dans l'état profond. Et donc, ce que je vois chez lui, c'est que le nombre des années n'a rien arrangé. Au contraire, il me donne l'impression d'une personne chez qui tout s'est aggravé, pourvu qu'il laisse son empreinte à ce qu'il estime être peut-être hein, pour lui-même, cette forme d'éternité dérisoire qu'on appelle la postérité. C'est-à-dire qu'il me donne vraiment l'impression de quelqu'un qui fabrique son autoportrait pour être en quelque sorte cohérent, conforme à lui-même sur le temps et léguer derrière lui ce qu'il pense être la consistance de son parcours. Mais c'est quoi la consistance de son parcours ? Ben, je vous le donne dans le mille en conclusion. C'est l'artisan du moment hamiltonien. Si vous connaissez le moment hamiltonien, cette expression, c'est une référence à Hamilton, le premier secrétaire d'État au Trésor américain. On est à la fin du XVIIIe siècle, un peu avant la Révolution française. Les États américains, après la Révolution, sont ruinés. Et lui, je fais simple, hein, je le dis en accéléré, mais
parce que le sujet est plus complexe. Il y avait aussi la nécessité de construire, enfin reconstruire, voire construire le pays et faire émerger une industrie puissante. Et Hamilton a proposé un plan en ce sens. Mais il a surtout proposé quelque chose de fondamental que les Français doivent entendre et comprendre, d'ailleurs tous les Européens, c'est que Hamilton, devant la ruine de l'État, la ruine économique de ce qui émergeait comme étant une conscience fédérale américaine, mais qui n'existait pas encore, a proposé la mutualisation des dettes. Et aux yeux des historiens, c'est ce qui marque le début de la construction de l'État fédéral américain. Donc, ce que l'on cherche à faire actuellement à l'échelle de la France, par son appauvrissement et en provoquant le crash financier qui nous pend au nez et qui va nous exploser la gueule dans très peu de temps, eh bien, c'est créer donc artificiellement, c'est-à-dire avec moins de noblesse et de dignité qu'à l'époque, du véritable moment hamiltonien, on veut créer artificiellement un moment hamiltonien européen. Si vous regardez la bio, le parcours de ce personnage méphitique qu'est Barnier, outre le fait qu'il est insignifiant politiquement et qu'il est une insulte évidemment à la face de tous ceux qui ont fait l'effort d'aller aux urnes dernièrement, ce type-là, c'est l'artisan rêvé de ce moment hamiltonien, c'est-à-dire terminer la fédéralisation de la France fondue à l'intérieur de l'Europe par une succession d'indignités et d'humiliations de notre honneur, hein, c'est-à-dire l'effacement, à minima l'érosion de notre identité, la fragmentation du peuple, etc., au service de la vision globalo-fasciste d'un Macron. Voilà comment je perçois ce personnage en essayant de faire la synthèse de tout ce que j'ai lu, par ailleurs, de très pertinent, notamment sur X, hein, qu'on a fort légitimement critiqué, mais sur X, c'est un petit peu, comment dire, moi je vois ça un peu comme le fleuve Zahir, tu sais, c'est le fleuve avec le plus gros débit, je crois, dans le monde. Donc il y a un énorme débit fantastique de volume d'informations. De temps en temps, je me penche, je mets ma main comme ça, je prends une, et j'espère tomber sur une molécule d'intelligence, tu vois ce que je veux dire. Et je dois dire que quand on trouve une pépite sur X, elle est exceptionnelle. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de s'accrocher, et on va essayer d'inciter notre camarade à nous rejoindre sur X, parce que c'est, il faut quand même dire la vérité, un des derniers médias libres encore, je ne sais pas pour combien de temps, ni si c'est pour longtemps, ni si Elon Musk est totalement sincère et s'il n'a pas d'objectif secondaire plus ou moins tordu, mais pour le moment, c'est là qu'on peut à peu près s'exprimer et trouver des pépites. Et selon vous, il est conscient de ce qu'il fait avec l'Europe ou il y croit vraiment? Il connaît l'étendue du projet derrière, entièrement? Nadine? Je voudrais juste rebondir déjà sur quelques points, tu gardes ta question. Si bien sûr. Parce que je rejoins ce que dit Frédéric. Donc, je ne suis pas partie sur la partie financière et tout, restant juste sur le profilage, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parle de dinosaures, c'est pour ça que je parle de pas d'état d'âme, pas d'émotionnel. Et quand je parlais de vieux et jeunes, ce n'est pas une critique dans le sens où, en effet, il peut y avoir des jeunes brillants qui valent 10 fois plus. Ce n'est pas une question d'âge, en fait, pour quelque poste que ce soit. Je parle, c'est dans la notion de capacité, de maturité, d'intelligence et de discernement et même de sagesse. Parce qu'il peut y avoir des jeunes très sages et d'autres pas sages du tout. Or, Barnier n'a rien de sage, absolument rien de sage. Et Attal n'avait rien de sage non plus. On n'a pas dans ce gouvernement d'éléments dits sages dans le sens propre du terme. Des gens qui sont posés, qui sont capables de se remettre en question, des gens qui ont beaucoup d'éducation, de valeurs aussi, les valeurs n'existent plus, tous ces éléments-là qui vont faire qu'à un moment donné on s'est capable de dire oui là je me suis peut-être trompé, oui là il faut que j'écoute ou que je remette en question ou non finalement je suis cette ligne-là parce que je sens que c'est vraiment celle-ci et je peux vous le prouver pour x et y choses et non pas parce que quelqu'un nous a dit de le dire ou parce qu'on a signé un contrat qui n'est pas officiellement annoncé pour pouvoir dire les choses comme elles sont faites, comme cette mission qu'a expliqué très justement Frédéric. J'en suis parfaitement consciente et c'est vrai. Je voulais repréciser cela plutôt pour les auditeurs. Il n'y a pas du tout de discrimination à mon encontre. On en a tous été victimes. Je vois, pour exemple, souvent dans des magasins, écoutez, je viens juste d'arriver. Je ne sais pas bien faire. Vous savez, on a tous commencé un jour, alors prenez votre temps. Voilà, c'est ce que je leur dis souvent, parce qu'il ne faut pas l'oublier. On a tous été, à un moment donné, premier ou un premier jour ou quelque chose qui fait qu'on n'était pas très à l'aise dans nos baskets et qu'il fallait quand même qu'on le fasse et qu'on fasse nos preuves. Ça, c'était le premier point. En tout cas, pour te rassurer, Nadine, on l'avait vraiment compris, hein, qu'il n'y avait pas de ni jeunisme, ni gérontophilie, peu importe dans quel sens, de ton côté, quoi. On l'avait bien compris. De nous trois, je n'en doute pas, mais parfois les auditeurs… Mais il faut être sûr, voilà, que tout le monde a compris. Ouais.
Et la sagesse, c'est quelque chose qui nous manque terriblement et qui serait bien de mettre à des postes à bon escient rapidement, parce qu'on n'en serait pas là du tout aujourd'hui. Et franchement, c'est ce qui manque grandement. Aujourd'hui, c'est plutôt de la médiocratie qui met en place des soi-disant cerveaux, parfois basés uniquement sur une sexualité. On voit beaucoup trop cela à certains endroits et c'est quand même relativement inquiétant. Si je puis me permettre une remarque rapide, on aura beaucoup de mal à définir ce qu'est la sagesse. Quand bien même serions-nous les meilleurs philosophes du monde, on aura une espèce de vision subjective de ce qu'est la sagesse, avec chacun son champ sémantique. Il n'y a pas longtemps, je lisais un ouvrage d'un journaliste qui a fait une enquête sur la sagesse, un livre qui s'appelle Wisdom. Et le type essaie de comprendre ce qu'est la sagesse. Donc, il va questionner non seulement évidemment des siècles de philosophie, mais aussi les philosophes vivants. Et en fait, sa remarque passionnante, sa thèse quoi, passionnante telle qu'il la justifie, c'est que la sagesse, finalement, on n'aura jamais forcément les mêmes éléments de langage pour la définir, mais on la reconnaîtra toujours au premier coup d'œil. C'est exact. C'est ça qui est intéressant. Voilà. On pourrait venir par des cheminements complètement différents, subjectifs, voire parfois même poétiques, ou avisés rationalistes, ou avisés plus spirituels. Voilà, chacun en fonction de son idiosyncrasie culturelle, si j'ose dire. Mais une chose est certaine, c'est qu'on porte en nous une forme d'instinct, d'intuition de la sagesse qui nous permet de la reconnaître au premier regard. Et si tant est que je cherche à la définir en regardant une personne, je ne me baserai, en vous donnant ma vision forcément partielle, je ne me baserai pas nécessairement sur l'intelligence de la personne au sens un peu cliché du terme, un peu stéréotypique, son QI ou autre, mais en tout cas clairement sur ce que son vécu aurait eu de potentiellement douloureux, de ce que le... Vous voyez, une personne qui a été toute sa vie dans un écosystème politique que je crois, en ce qui concerne Barnier, il a probablement eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais je pense que dans l'ensemble, il fait partie des astucieux qui ont su faire le dos rond quand il fallait et être toujours au bon endroit pour survivre politiquement. Il ne me fait pas l'effet de quelqu'un qui aurait été grandi au contact de la société civile, ayant comme notamment des entrepreneurs, comme vous et moi, etc., vécu de véritables revers de fortune qui auraient pu l'aider à grandir et nous offrir la sagesse dont nous avons aujourd'hui besoin. Je partage là encore une fois, surtout sur la reconnaissance du sage. Et ça dépend des profils et des cultures. Parce que certaines cultures ont une notion du sage qui est différente d'autres cultures, notamment la spiritualité, comme tu l'évoquais. Certains sont plus axés sur la notion de spiritualité, d'autres sur du vécu terrain, d'autres sur la philosophie, ou d'autres pour les savoirs qui peuvent être différents en fonction des uns des autres. Je crois qu'il y a des tas de sages en réalité, et il y a beaucoup de sagesse en chacun d'entre nous, à nous de le révéler. Mais il est vrai que c'est propre à chacun dans la reconnaissance de qui je vois sage, entre guillemets, mais dans le sens de tout ce que ça peut impliquer, sachant qu'en effet, c'est une définition très difficile à construire et encore plus à expliquer. Mais par contre, le ressenti est clair. Je te rejoins. Et inversement, on reconnaît du premier coup d'œil un petit con. Oui. Bon, ça, c'est facile. Et celui qui squatte l'Élysée, comme tu le dis très bien, pour moi, je n'arrive pas à... J'ai beau chercher, impossible d'identifier une once de cette humanité que l'on attend d'un homme prétendument sage. Lui, il a rien d'humanité, mais par contre, il n'a pas tout à fait tous les fils qui se touchent parce qu'il sait très bien comment nous la mettre à l'envers, si je puis me permettre de dire les choses crûment. Il sait très, très bien. Mais ce n'est pas lui le plus dangereux, c'est le vieux à côté, hein. Et c'est dans le couple, c'est le vieux. Hein. Je l'ai toujours dit dans toutes mes émissions, puisque bon, moi, j'ai compris en 2016 que c'était un homme, sans faire les travaux notamment de Xavier Poussard. J'ai compris ça très, très vite. Mais c'est là, ça, c'est dangereux. Cette personne-là est beaucoup plus dangereuse. C'est le vrai Manitou. Ou en tout cas... Ceci près, ma chère Nadine, que je ne voudrais pas le victimiser. Passé un certain âge, tu es supposé avoir développé le réseau neuronal qui te permet peut-être de reconsidérer ton statut de victime et éventuellement te prendre en charge. Et je pense que si tant est qu'il est peut-être à l'origine manipulé et victime, c'est devenu une belle petite crapule avec le temps et il s'y complaît. Et une chose est certaine, je le vois mal faire un jour son mea culpa, sincèrement. De toute façon, il n'est pas question de le victimiser. Simplement, comme il a été victime de son bourreau et probablement d'autres, ils lui ont donné un joli sucre là, qui est énorme, hein, qui s'appelle la France, qu'ils ont utilisé. Donc, comme je le dis aussi, nous sommes Français en otage en Macronie. Faut bien faire le distinguo entre le français et le macronien. Et donc, le gros sucre, il est en train de s'amuser dessus.
Et pendant ce temps-là, ils font ce qu'ils veulent derrière et ils utilisent de temps à autre le mangeur de sucre pour lui dire « Tu serais bien que tu nous fasses passer une petite loi ou que tu nous fasses un petit truc comme ça, etc. » Parce que pour te faire pardonner, on t'a laissé tout le gros gâteau, là, mais tu nous en laisses quelques miettes pour bien nous en... Hein, piquiner. Voilà, pour rester poli. Mais c'est un peu ça. Et ça, je l'ai expliqué aussi il y a des années. La dangerosité du personnage, déjà en 2016, hein, quand j'ai dit d'ailleurs que c'était un homme, c'est suite à une sorte de convocation, entre guillemets, auprès des gens dits défense, dont des officiers, et qui m'avaient tous dit dans la ligne de « vous êtes beaucoup trop dur ». J'espère qu'ils m'écoutent et qu'ils s'en rappellent. Donc, tu avais posé une question, c'est fini, du coup, je l'ai zappé. Il y avait un deuxième point, je crois, à aborder concernant Michel Barnier. Et sinon, on peut se demander aussi ce que tu notes de son rôle par rapport au mondialisme et sa conscience de son propre rôle sur cet échiquier, finalement, pour utiliser un mot que Fred aime beaucoup, je crois. Alors, conscience, Michel Barnier, on va peut-être lancer un avis de recherche. Là, j'ai du mal à y croire. Parce qu'il est parfaitement conscient de la mission qu'on lui octroie dans un but, encore une fois, je le disais tout à l'heure, d'argent et de pouvoir. C'est que comme s'il se sentait investi d'être une sorte d'élu pour être un pion supplémentaire de façon à remettre d'autres éléments nécessaires dans l'échiquier du mondialisme. C'est un rouage. Tu veux, c'est comme des sortes de marionnettes ou des pions. En fait, des pions, je préfère le mot pion. Donc la partie d'échec aujourd'hui, elle en est que de toute façon ils savent très bien qu'ils ont perdu, donc ils vont sortir les pions d'où ils peuvent les sortir. Donc là ils raclent les tiroirs, hein. C'est ce que, comme l'a dit justement Frédéric et d'autres, c'est un sacré pied de nez de l'avoir choisi par rapport au résultat des dernières élections. Qui fait d'ailleurs que les pions c'est nous et eux c'est les morpions. Oui, ça peut être ça aussi, mais il leur faut encore des pions pour mettre des bouts de puzzle du mondialisme. Mais ça se casse la figure de tous les côtés et ça devient de plus en plus compliqué. D'où le fait. Bon, tu penses, toi, que le château de cartes mondialiste est en train de vaciller? Oui, tu ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils sont en train de consolider par devers les peuples leur volonté de puissance? Parce que là, c'est une vraie question qui se pose. Non, je fais pas. Observateur, quoi. Parce que je suis dans des. Je veux dire, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on analyse beaucoup et on a des informations et on est acteur aussi de certaines choses. Mais par exemple, je reviens sur l'histoire du Sahara. L'Algérie étant pro-russe, hein, où il y a déjà eu des exercices militaires russes sur le territoire algérien, est un exemple type que Macron a une telle haine, enfin peut-être pas lui, mais le vieux et d'autres encore, vis-à-vis des États-Unis, mais ce qui est lié justement aux États-Unis, hein, puisque nous sommes colonisés par les Américains depuis pas mal d'années, et le mot est faible. Que tous les acteurs pro-russes, ils vont les attaquer parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer directement dans la Russie. On a vu l'affaire de Kursk, que c'était un échec total. Ça ne pouvait qu'être autre chose qu'un échec. Ça ne pouvait être que ça, un échec. Donc, ils vont passer par tout un tas d'alliés. Mais c'est les dernières cartouches. Ils vont faire ça avec quoi? Ils n'ont pas d'armes. Les meilleurs armements sont du côté de l'Est, tout ce qui est Russie, Chine et Inde. Les entraînements, c'est pareil. Les ressources humaines, c'est pareil. Les formations, c'est pareil. Donc, ils n'ont rien. Même les Américains, il n'y a plus rien. C'est terminé. Même les fonds financiers. Donc, ils sont complètement out. Déjà, rien que sur le plan militaire. Alors, si tu veux envahir un pays, donc à moins de faire son plan de faire péter une centrale nucléaire ou de tenter de la faire péter ou de faire sauter le pont de Crimée ou de faire des actions comme ça où tout de suite, on va voir que c'est un false flag, ça ne marche plus parce que les gens commencent à vraiment comprendre. Mais il y aura toujours des personnes qui n'auront pas suffisamment de discernement pour s'en rendre compte. Et souvent, ce sont des personnes tristement picousées, puisque ça a été fait exprès pour diminuer leur discernement, entre autres. Parce que ça, j'ai analysé aussi les comportements des personnes picousées. Et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus qui fait qu'ils ne sont plus tout à fait eux-mêmes, pour rester court, pour être bref. Mais sur la partie des autres, même certains picousés, ils commencent à se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus du tout. Même aux États-Unis, on voit simplement l'ouverture des JO. Tel que ça a été fait, les personnes chez Cohen ont par la suite. Tu sais, elle avait fait des vidéos, c'est passé à 44 000 vues, en 44 millions de vues en quelques heures. Dace Owens. Oui. Excusez-moi, je
Je regarde juste le chargeur de mon portable, sinon on va couper l'émission brièvement. Donc je vous laisse poursuivre. Frédéric, toi, ton avis sur la question de le plan s'effondre ou le plan est consolidé? Alors d'abord, c'est une question qu'il faut faire dialectiser, pour employer les grands mots, c'est-à-dire thèse, antithèse, et puis tenter la synthèse. Et je ne veux pas avoir l'air du gars prétentieux qui pense avoir fait la synthèse. C'est-à-dire, je pense que en chacun de nous, un petit peu comme une forme de combat intérieur, quoi, un yin-yang sur des sujets qui nécessitent de l'équilibre ou qui nous obligent à changer de prisme, etc. Si l'on est vraiment honnête, et dans un contexte où à chaque fois qu'on croise quelqu'un, par exemple dans les réseaux sociaux, qui est très sûr de soi, même cette personne-là risque de changer d'avis au bout de quelques semaines, ou quelques heures, ou quelques minutes. Pourquoi ? Parce que on est tantôt dans l'observation de ce que l'on perçoit comme de l'incompétence, tantôt dans une forme de paranoïa totalement différente, on se dit non, ils ne peuvent pas être totalement incompétents, etc. Ça a l'air très calculé. Et pourquoi est-ce que c'est très dur de faire la synthèse ? Parce qu'il y a en effet aussi bien des zones d'incompétence que des zones de calcul. Donc, ce qu'il faut chercher à ressentir, c'est bien en deçà, bien au-delà de ce qui affleure, eh bien, c'est la tectonique des plaques. Qu'est-ce qui avance de façon implacable ? Et surtout, si tant est qu'il y a un plan, il faut qu'il soit transmissible, c'est-à-dire qu'il puisse se transmettre d'un homme à l'autre, sans risquer un excès de fuite. Pour cela, il faut qu'il y ait une sorte de colonne vertébrale idéologique suffisamment solide et ancrée pour qu'elle puisse survivre à la disparition d'un pion qui puisse, en quelque sorte, donc assurer la passation vers un autre pion ou vers une pièce maîtresse. Mine de rien, si on réfléchit en ingénierie sociale, et en tout cas en plan global mondialiste ou globalo-fasciste, comme diront certains, qui est un terme, à mon avis, adapté, on va déjà passer beaucoup de temps à identifier l'accumulation, enfin ce qu'on va penser être le faisceau de preuves ou l'accumulation de factuels d'événements qui semblent contribuer à une construction. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que pour moi la manière la plus, en tout cas stimulante intellectuellement, hein, si je suis honnête. Sans prétendre à la vérité, hein, la plus absolue. Vous savez que le parésias, c'est celui qui dit tout ce qu'il pense sans avoir la prétention de dire que c'est la vérité. Donc au moins, je dis tout ce qui me passe par la tête en essayant de le construire un minimum, évidemment. Donc pour moi, ce qui est stimulant, c'est d'inscrire ça dans l'histoire et d'aller chercher aussi loin que possible dans les sources. Alors sans sombrer dans une espèce de complotisme extrême où on va s'imaginer qu'il y a des générations et des générations qui se passent un plan... diabolique, mais sans plus l'exclure, parce qu'après tout, pourquoi pas ? Encore une fois, comme je le disais, s'il y a un ancrage idéologique très fort, et s'il existe en effet des sociétés secrètes suffisamment structurées et structurantes pour que la legacy, l'héritage, pardon, de ces sociétés secrètes puisse se faire de génération en génération, de telle sorte que le message, pardon d'employer un terme du marketing d'aujourd'hui, mais que le message assure son autopromotion. Tu vois ce que je veux dire ? Si le message idéologique et puissant, peut-être qu'il peut en quelque sorte devenir mémétique, c'est-à-dire une idée qui s'engendre elle-même et qui génère des régulateurs en quelque sorte de conformité à elle-même. Vous voyez, quand une idéologie est très puissante, hein, c'est ce que disait Victor Hugo, quand le temps d'une idée est arrivé, rien ne peut l'arrêter, enfin, c'est pas exactement la citation, mais ça marche aussi pour les idées obscures. Ça marche aussi pour le côté obscur de la force. Voilà. Donc, si tant est qu'il y ait un plan sur le très long terme, aujourd'hui, moi, par exemple, qui n'ai jamais pu imaginer une seule seconde, notamment avant le Covid et l'aggravation des ingénieries sociales, que parler du satanisme soit quelque chose d'à peu près raisonnable dans l'analyse, maintenant, je me vautre dedans, quoi. Et je sais que j'ai un nombre incalculable alors de gens qui nous écoutent dans l'audience ou même dans ma famille, mes proches, etc., de gens qui vont dire « mais t'es complètement fou, t'as brillé, quoi ». Alors, le problème, c'est que ces mêmes personnes ne font pas l'effort de lire ce qu'il faut lire pour comprendre qu'il y a une légitimité à cela. Alors, par exemple, je conseille à tout le monde de lire William Guicard, qui était un officier de la marine canadienne au siècle dernier, qui a vécu donc les deux guerres. Il est mort en 1959. En 1954, il sort, on parlait des pions, hein, il sort un bouquin qui s'appelle « Les pions sur l'échiquier ».
et dans lequel il fait toute la généalogie, d'ailleurs il a donné beaucoup de conférences à cet égard, de l'émergence des Illuminés, hein, les Illuminati. Moi par exemple, pareil, il y a ne serait-ce que quelques mois, et d'ailleurs peut-être même quelques semaines avant que je m'y intéresse vraiment, tu m'aurais dit Illuminati, c'est bon, j'aurais fermé la caméra, je dis c'est bon, allez, j'ai autre chose à faire, arrêtez là, sérieux, vous partiez en vrille, vous êtes fous les gars ou pas, et j'aurais hurlé, et je me serais moqué d'eux. Et c'est ça qui est dingue. Et là, en fait, quand tu commences à regarder la cérémonie des JO, ce qui se passe, la promotion du transgenrisme, les postures lucifériennes, quoi, qui affleurent au travers d'un nombre incalculable de symboles, moi qui suis extrêmement cartésien, je me dis à minima, ils en font une sorte de pied de nez pervers pour essayer de salir ce qu'ils n'ont jamais eu, quoi. C'est-à-dire que ce sont tous des enfants blessés, névrosés, qui n'ont peut-être pas été aimés par leurs parents, ou leurs parents les ont peut-être trop aimés, si tu vois ce que je veux dire, à base de sodomie et d'attouchements sexuels dans l'enfance, ça va savoir. On a certains au sommet de l'État qui arrivent quand même après avoir vécu tout ça. Donc peut-être que ces gens-là détestent cet amour, cette vertu cardinale de l'amour chrétien, et que tout ça leur semble une espèce de vaste plaisanterie qui les rend malades, quoi. Je veux dire, c'est comme cette écolo qui dit que sur un accès de stress, elle a pris un flingue et elle a tiré sur une statue de la Vierge Marie. Vous voyez, donc des gens qui détestent foncièrement les symboles de la chrétienté ou du catholicisme, il y en a d'ailleurs. C'est l'histoire du fondateur des Illuminati vers la deuxième moitié du XVIIIe siècle, dont j'oublie le nom, je crois que ça s'appelait Weistop, et j'ai oublié son... En plus, je ne sais pas comment le prononcer, je ne suis pas germanophone, mais je vous donnerai donc pour les références, évidemment... du personnage. Et donc, pour revenir à Guicard, il étudie ce personnage. C'est un jésuite défroqué qui enseignait le dogme, etc., et qui s'est mis à haïr sa propre religion et à devenir un dissident. Et donc là, on pourrait, avec Nadine d'ailleurs, faire son profiling psychologique si on allait sortir d'ailleurs les archives qui restent de lui et de ses disciples, qu'on trouve dans des musées bavarois, des lettres, des programmes et tout. Et ces mecs-là ont écrit un programme dont j'ai livré d'ailleurs sur X des extraits qui figurent dans l'introduction du livre de Guicard, qui sont hallucinants, où ils se considèrent à l'époque mondialistes, c'est-à-dire ils parlent d'internationalisme, ils partent du principe qu'ils doivent induire la fragmentation du peuple, la destruction de toutes les religions, l'effacement de toutes les identités, alors en plus ils ont un plan pour provoquer la Première et la Seconde Guerre mondiale, mais ce qui est très troublant, c'est que pour eux la Troisième, c'est celle dans laquelle on fera s'affronter les sionistes et les islamistes. Et ils veulent que les deux s'autodétruisent en faisant préalablement croire qu'ils sont plutôt favorables à l'un ou à l'autre. Bref, parce que dans la doctrine du fondateur, de ce fondateur-là des Illuminati, l'idée, c'est de créer des sociétés secrètes dans les sociétés secrètes, d'où leur instrumentalisation notamment de la franc-maçonnerie, sans être même franc-maçon. Alors, excusez-moi, parce que ça devient très vite compliqué. Ah, c'est pas de ma faute, ne m'envoyez pas, chers amis, dans l'audience, je vous incite à le lire. Mais pourquoi je parle aussi de la complexité de la chose? Parce que malheureusement, c'est ce qui rend la chose intransmissible. Tant que tu n'as pas lu les bouquins, et tant que tu laisses ça entre des gens qui l'ont lu un soir dans une insomnie et qui le lendemain en parlent vite fait sur X, tu te dis, ils sont tarés. Et même moi, si je tente de le synthétiser, je vais avoir l'air d'un taré. Alors, je ne suis pas en train de vous dire les Illuminati existent. Attention, ce n'est pas ce que je dis, parce que je n'en ai strictement... Alors, totale ignorance là-dessus, bien que certains me donneraient tort ou raison si j'allais dans une direction ou l'autre et on pourrait lancer un débat infini. Le sujet n'est pas là. Moi, je crois beaucoup dans l'imprégnation de, un mot que j'employais tout à l'heure, des idiosyncrasies culturelles. Je pense qu'il existe une sorte de généalogie, aussi bien du mal que du bien, qui dialectise en permanence à l'échelle de l'humanité, et que si tant est que l'on ait besoin de se réclamer de quelque chose de lumineux, on ira choisir une idéologie lumineuse, mais si tant est que l'on soit habité par des démons refoulés, des névroses et des pathologies profondes, on va en quelque sorte jeter plus facilement son dévolu sur l'idéologie qui nous convient et qu'on est allé prendre sur étagère. Il y a bien des gens aujourd'hui qui prennent sur étagère l'idéologie de « j'ai décidé d'être un animal » ou « j'ai décidé de me faire couper le pénis pour devenir une femme » ou l'inverse. Je veux dire, on est dans un monde maintenant de parfaite, fragmentation idéologique, atomisation de toutes les idéologies, on prend celle qui nous convient. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas un groupe de tarés fondamentalistes d'une idéologie qui est peut-être complètement démodée, qui n'est peut-être, mais qui estime trouver là peut-être une forme de justification à leur folie, démentielle, dans le fait que cette idéologie construite 200 ans, 300 ans, 400 ans plus tôt, même on peut remonter jusqu'aux Babyloniens, paraît-il, peut-être qu'ils vont trouver là une légitimité. Et c'est ça en fait qui est inquiétant, c'est ça que les, entre guillemets, les complotistes parfois
dans leur manière rudimentaire d'exulter leur souffrance, n'arrivent pas à exprimer. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas le complot. C'est le moteur psychique qui fait qu'on peut se raccrocher à une théorie du complot quand on est du côté des complotistes, qui nous convient parce qu'on a envie de faire le mal, parce qu'on déteste tout le monde, parce qu'on est malheureux, parce que notre papa et notre maman ne nous ont pas aimés, quoi. Et qu'il y en a quand même beaucoup en ce moment qui courent dans les rues et qui sont extrêmement frustrés et qui donc peuvent tout à fait jeter leur dévolu. Et c'est donc comme ça, et c'est donc comme ça qu'on retrouve une résurgence du satanisme. Certains ne croient peut-être même pas en Satan, mais trouvent que c'est amusant peut-être de faire une sorte de pied de nez à ce qu'ils estiment être la bigoterie. Hein. J'ai vu une définition de la bigoterie d'un mouvement transgenre aux États-Unis qui montre un, bon voilà, désolé, mais un gros pénis ou trois pénis masculins sur une affiche et qui disent qu'il y a une bigoterie de la part des hommes qui ne veulent pas sucer le pénis d'une femme. C'est-à-dire, en fait, un homme qui décide d'être une femme ayant encore un pénis a quand même droit à une bonne petite pipe de son copain, hein, quand même. Bon. Et donc, au lieu de, je dirais, on est dans une inversion alors délirante, même le mot est trop élaboré par rapport à ces tarés quoi, qui nous amènent ça. Mais en fait, eux estiment que les autres sont bigots. Mais quand ils disent bigots, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils détestent toute cette civilisation qui ne leur a pas permis de s'y trouver une place. Ils sont frustrés à en mourir. Donc, si vous voulez, ils cristallisent, phénomène psychologique que Nadine expliquera mieux, ils cristallisent leur rage existentielle sur le premier motif qui explique leur folie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils vont se dire, bah oui, bah en effet, moi, je pense que la bigoterie catholique, c'est ce qu'il faut détruire. Et donc, ils vont se décréter satanistes. Donc, ça ne veut pas dire que Satan existe, même pas à leurs yeux, d'ailleurs. Mais ils sont super contents d'avoir trouvé un motif pour nous faire chier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et je pense, en fait, que la petite putain élyséenne, parce qu'excusez-moi, je l'appelle comme ça, moi. Et c'est pas de ma faute, hein. La source, c'est une interview qu'il a donnée en 2017 dans laquelle il dit le job c'est de séduire, nous sommes en quelque sorte des prostituées. Donc moi je l'appelle la petite putain élyséenne, maintenant il peut assumer, on peut pas dire que c'est une insulte, hein. Vous pouvez même pas m'attaquer en diffamation, c'est lui qui le dit. Donc la petite putain qui est à l'Élysée, mais peut-être que ça le fait juste marrer, peut-être que de s'être fait enculer trop jeune par Jean-Michel, ça fait de lui une sorte de psychopathe en puissance qu'on a privé de toute forme d'honneur, de dignité, d'amour de soi. Et peut-être qu'il a besoin de se mirer narcissiquement dans sa réussite médiatique et politique par compensation de toutes les humiliations qu'il a vécues trop jeune, qu'il est en train de rationaliser après coup pour donner un sens à sa vie pathétique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas croire au satanisme ou essayer de disserter longtemps là-dessus. Ça n'a aucun sens. Peut-être que le satanisme est justifié qu'il existe et que nous sommes au cœur d'un combat eschatologique, certes. Et je dis bienvenue à tous ceux qui auront des arguments. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir comment une idéologie est instrumentalisée par des malades et pourquoi faire. Et si on revient maintenant à notre sujet géopolitique, je parlais tout à l'heure du moment hamiltonien. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, toutes ces espèces de psychopathes dysfonctionnels, pervers jusqu'à la moelle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent plein les poches dans le processus mondialiste qui consiste, évidemment, au travers d'un fascisme soft, mitonné d'ingénierie sociale qui fait que tu le sens pas, hein, tu le sens pas. La plupart du peuple, même, je croise des gens sur X qui me disent « va te faire soigner, le pays n'a jamais été aussi prospère ». C'est des gens qui n'ont pas compris qu'on était sur la corde raide et qu'avec 3000 milliards de dettes, à un moment donné, ça va leur péter à la gueule. Et leur petite prospérité fantasmée, elle va s'écrouler comme un ballon de baudruche. Mais passons. Vous avez plein de gens qui ne le sentent pas parce que tout ça est bien fait. Parce que la connaissance de la psychologie humaine, la neuroscience, tous ces trucs-là donnent des outils extrêmement puissants aux spin doctors et à ceux qui nous dominent, qui nous soumettent, qui nous humilient, qui nous privent de tout honneur petit à petit pour qu'à force de se désidentitariser, et de se fragmenter les uns avec les autres, on passe plus de temps à s'engueuler qu'à analyser la situation. Passons, nous sommes bien manipulés collectivement. Mais toujours est-il que ces gens sont en train de réussir un plan qui consiste à fédéraliser les nations à l'intérieur d'un projet globaliste qui bénéficie au grand corporatisme. Et tout ça est parfaitement huilé dans un plan qui, K1K1, en utilisant les névroses et la folie des uns et des autres, eh bien, fonctionne. Parce que pour que ça ait une chance de fonctionner, il ne faut pas que nous soyons capables de transcendance collective. Donc tout ce qui pourrait créer de la transcendance collective, ne serait-ce qu'une forme de spiritualité, de lien, fondé sur une identité historique, quoi, hein, qui puisse se rétablir entre nous. Si tu casses tout ça, impossible de verticaliser la lutte.
Et donc, ceux qui sont en train de se gaver, bah, ils réussissent. Et tant que tu n'as pas compris ça, ou tant que tu n'as pas réussi, non, je vais le dire autrement. Si tu, tant que tu n'as pas réussi à faire comprendre ça à ton interlocuteur, c'est-à-dire la logique d'ensemble, tu ne peux pas discuter avec lui. Tu vas t'enliser dans satanisme ou alors évidemment globalisme ou alors ingénierie sociale, puis tu vas argoter sur les termes, il va te dire que tu es fou, tu vas lui dire qu'il n'a rien compris, etc. Mais en fait, c'est ça l'ingénierie sociale. C'est qu'on est obligé de pérorer à l'infini sur les moyens qu'ils emploient en oubliant de discuter des finalités. Absolument. Nadine, je te laisse rebondir si tu veux bien. Oui, je vais rebondir simplement, mais illustrer certains propos. Alors, donc, je suis plus comportementaliste que psycho ou psycha, puisque donc, ça, ce sont des métiers qui font partie, en effet, des sciences humaines, mais qui sont plus rentrés pour certains. Je ne dis pas que tous les psys sont comme ça, hein, il y en a des très bons, mais globalement, ça range dans les cases les gens, ce que nous, nous ne faisons absolument pas. C'est prohibé dans notre métier de ranger des personnes dans les gens. Dans les cases, pardon, je vais y arriver. Et en fait, il faut comprendre que quand on voit, on reprend tout ce qui a été dit, parce que c'est riche d'informations, ce que tu as dit, Frédéric, mais je vais essayer de synthétiser avec mon langage à moi pour illustrer et faire élever le débat aussi dans d'autres sujets après. D'abord, chaque être humain a un cheminement à faire, parce qu'il y a cette notion de spiritualité qui fait qu'on est dans des vies, en fonction des vies, donc ça c'est pareil, c'est un débat que tout le monde ne peut pas entendre, on a tous un cheminement, que ce soit déjà dans cette vie-là, mais aussi au regard de toutes nos autres vies. Donc des éléments aussi karmiques à intégrer, les entités, les mémoires, enfin bref, c'est très complexe, et il y a des gens qui en parleront beaucoup mieux que moi, notamment les énergéticiens. Mais c'est un sujet que je comprends bien et connais bien, parce que le net profiling touche aussi à ce sujet-là. Et donc, quand on a ce cheminement-là, l'éveil est au regard aussi de ce cheminement-là. Donc, si on est dans une société qui nous a matraqués, parce que je le vois pour mes clients en coaching déjà, le matraquage des gens, c'est hallucinant. C'est hallucinant comment les gens ont pu souffrir. Alors, c'est vrai que le métier ne va pas attirer des gens qui sont hors souffrance. C'est logique, ma clientèle, elle est plus basée là-dessus. Mais tout de même, ça fait des années que je fais ça, et c'est quand même hallucinant de voir le plaisir, le malin plaisir de faire du mal déjà à l'être petit. Pour comprendre qu'il y a déjà cela, donc ce matraquage-là, d'où ça vient, d'où ça sort, on se pose parfois des questions. Mais il y a aussi des notions générationnelles, des notions culturelles. Sur le malin plaisir à faire du mal, on est bien d'accord que, quitte à utiliser des pions, autant instrumentaliser des petits psychopathes. Oui, mais tout à fait. Et si on les prend plus jeunes, on en fait des grands pions après, on le voit très bien avec le squatteur d'Élysée. On le voit très bien. Mais sans se faire de ce genre de personnage-là, puisqu'il y en a, certains veulent s'en sortir, la plupart des gens veulent s'en sortir. S'ils font appel à des gens comme moi, c'est qu'ils veulent s'en sortir. Et bien qu'ils ont conscience que ce qu'ils ont subi, ce n'est pas tout à fait normal, entre guillemets, sachant que c'est un mot que je déteste, il n'y a pas de normalité. Et comme il n'y a pas de 100 et de 0, et comme il n'y a pas non plus de vérité, on a chacun notre propre vérité. Mais après, on peut s'en approcher en fonction de nos résultats. Toujours est-il, c'est un peu comme la sagesse, hein. On ne peut pas la définir, la normalité, on la reconnaît au premier coup d'œil, mais on essaye de ne pas être normatif de la normalité, quoi. J'y pensais en même temps quand tu l'as dit, c'est ça. Et donc, en fait, tous ces traumatismes que l'on voit, que des gens ont subis, justement, estiment que c'est plus ou moins normal parce qu'à force de côtoyer d'autres personnes, « Ah, mais toi aussi, tu as été abusé comme ça, mais toi aussi, tu as été frappé, mais toi aussi, tu as été harcelé. » Comme si c'était quelque part quelque chose qui était dans une évidence sociétale. Il n'y a absolument pas ça. L'humain n'est pas fait pour ça. Et l'humain ne devrait pas subir ce genre de choses. Que ce soit petit, grand, âgé, ce que vous voulez, c'est pas ça la vie. C'est pas ça vivre, si on prend l'essence des mots. Et les mots sont importants. Et les mots sont galvaudés. Les mots sont détournés, notamment par ces psychopathes, notamment par ces idéologues. Comme l'histoire, comme tout ce qui fait partie de ce que nous sommes et de notre être, tout a été détourné et galvaudé à nous faire croire que nous sommes idiots et que nous avons tort. Il ne faut surtout pas rentrer dans ces éléments-là, il faut toujours revenir à l'essence. Que nous sommes idiots, que nous avons tort, mais que surtout, tu vois, au travers de nos phobies, nous sommes animalisés, nous sommes bestialisés, nous avons des réactions bestiales. Tu vois ce que je veux dire ? Nous sommes pulsionnels, nous sommes fragiles. C'est vraiment ce que je ressens, parce qu'il y a... C'est une conférence TED où on te dit qu'il faut que l'on arrête de surréagir face aux pédophiles. C'est-à-dire qu'en fait, eux, on ne parle plus de leur pulsion, mais on parle de notre pulsion de rejet des pédophiles. C'est terrible. Wow, c'est ça, c'est faire, quand même.
Ça, c'est matriciel et c'est manipulatoire. Oui. Mais si tu es centré, tu ne rentres pas dans ces trucs-là. Si tu es bien dans ta peau, si tu te sens bien, tu ne rentres pas dans ces éléments-là. Et d'ailleurs, ils ne viennent pas te chercher. Ils savent que ça ne rentrera pas. C'est ça le truc. C'est que plus on travaille en soi, et je reviens sur ce cheminement, plus on travaille en soi, plus on est capable de puiser en soi un ensemble d'éléments, de ressources, de forces, à cheminer aussi en utilisant des ressources à droite et à gauche pour avancer, à trébucher, à chuter même parfois s'il le faut pour pouvoir mieux rebondir ou pas selon les profils. Et ça, c'est propre à chacun. C'est chacun doit faire comme il veut. Je n'apprécie pas les personnes qui sont de telle et telle manière, mais dans notre cheminement, il faut peut-être qu'ils passent par là, c'est-à-dire par exemple tuer ou être pédophile ou je ne sais quoi, pour évoluer, peut-être. Et ça, et attention, je ne cautionne pas, hein, qu'on soit très clair. Mais c'est juste de dire qu'il faut intégrer cela. Donc, je prends des exemples extrêmes qui doivent s'appliquer sur des exemples plus basiques. Toi, tu ne comprends pas que la picouse, c'était de la picouse, elle n'a jamais passé le protocole 2 et elle ne passera pas le protocole 3. Donc, de fait, ça ne peut pas être considéré comme un vaccin. Mais il y a des gens qui ont dû avoir 4-5 doses avant de comprendre qu'en effet, c'était pas bon pour eux. Parce qu'ils ont cheminé à ce moment-là. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Et on essaye, quand nous, on connaît un ensemble de choses et qu'on a beaucoup de mesures qui nous justifient nos propos, qui avec des preuves, par exemple, parfois on a du mal à comprendre, en tout cas la plupart des gens ont du mal à comprendre que ses proches, c'est sous leur nez, ne comprennent pas comme nous on a compris, parce qu'on projette sur les autres le profil qu'on est. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à bien communiquer. Ce qu'il faut, c'est essayer justement de comprendre qu'on a des personnes très différentes en face de nous, puisque chaque profil est unique, il n'y en a pas un, même si c'est triplé, c'est 3 profils différents, quand bien même il y a des aspirations communes. Et que quand on discute avec ces personnes-là, c'est de leur expliquer très gentiment derrière, en fonction d'essayer de trouver le dialogue qui est approprié pour au moins leur expliquer, mais pas chercher à les convaincre. Parce que si on cherche à les convaincre, ils vont considérer que c'est comme une manipulation, surtout qu'on leur a expliqué que ce qui est bon, c'est dans le Vidal, à l'école, il n'y a rien de tel en manipulation que l'école, parfois dans les familles, parce que papa a dit ou maman a dit, tu dois écouter comme ça, mais pas de se dire, tu as le droit à ta propre opinion. Que tu aies raison ou tort. Après, on vérifiera si tu as raison ou tort ou si le chemin de la vie te dit que tu as raison ou tort. Et ça, on n'apprend pas ça aux gens. On ne leur apprend pas à simplement qu'est-ce qu'il y a en toi déjà. Même si ce n'est pas vrai, c'est la confrontation qui vérifiera si c'est juste ou pas juste. Tout ça, ça fait partie du cheminement. D'entrée de jeu, déjà à l'école, on nous dit tu dois apprendre comme ceci, tu dois te vêtir comme cela, tu dois rentrer dans un moule d'horloge biologique qui ne correspond pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, d'autres qui n'ont pas envie d'apprendre beaucoup, d'autres qui n'ont pas envie de travailler beaucoup, je suis là, pardon. Et ainsi de suite. Il y a tous ces éléments-là qui font que tout le monde pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Tu pars en vacances au même moment. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis plus sur l'écran, mais peut-être que tu vas trouver. Je te vois très bien. Je te vois bien. Donc, tout le monde part en vacances au même moment, tout le monde va au travail au même moment, tout le monde fête Noël ou je ne sais pas quoi, parce qu'on a rentré tous les gens dans des moules. Tous ces éléments-là entravent la capacité et la possibilité de développer son libre arbitre, sa volonté de vivre ce qu'on a envie d'être pour soi, de révéler ce qu'on est soi dans sa différence. Et ce n'est pas forcément une mauvaise différence. Quelqu'un qui vit au fin fond des bois parmi les animaux dans une cahute en bois avec de l'eau de la rivière et même pas de bougie, c'est un fou. Pourquoi ce serait un fou? C'est ça que j'essaie d'expliquer. Donc, à partir du moment où on a tous ces éléments-là, comment trouver sa place aujourd'hui dans un système qui est huilé? Regardez les enfants. S'ils n'ont pas de portable et s'ils n'ont pas du Nike et je ne sais pas quoi comme vêtements, moi j'ai tous les trucs à la mode là, qui sont estampillés. Autrefois, on aurait pu mettre le prénom Aline, Georges, je ne sais pas quoi, sur le vêtement. Aujourd'hui, non, tu t'appelles Nike, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. C'est enlever totalement l'identité déjà de l'humain, rien que ça. Rien que ça. Et il y a combien d'exemples? Alors, juste Nadine, je te coupe, il y a un truc que je ne comprends pas. Ouais. Bon, en gros, là, pour moi, le sujet, c'est essayer de comprendre si le mondialisme, ça existe, s'il y a un plan plus ou moins tâtonnant avec une sorte de colonne vertébrale idéologique. Bon, OK. Je comprends que tu sois capable d'armer les consciences pour, ou du moins de comprendre, de nous aider à comprendre ce qui cloche chez l'individu et quel cheminement salvateur pourrait le sortir de ces influences tordues.
Justement, l'idéalisme, mais... c'est un élément figé, c'est un élément... Alors, c'était mon résumé, j'allais te poser une question. Grosso modo, voilà ce que je comprends. Mais est-ce que tu es en train de nous dire que fatalement, il va falloir se replier sur soi, sa famille, faire attention à soi, et est-ce que tu jettes l'éponge sur tes congénères? Ah non, je ne suis pas du genre à jeter l'éponge. Mais c'est une question sincère, hein, y a zéro ironie. Hein, c'est juste que comme tu n'étais pas allé sur cette partie du raisonnement, il n'y a pas de soupçon de ma part. Hein, c'est pour comprendre. Parce que d'abord, je pense que c'est légitime dans un cas comme dans la vie. Il y en a qui veulent se battre. Moi, j'en fais partie. Mais parfois, je suis tenté de laisser tomber parce que je me dis que c'est foutu. Et je voulais savoir dans quelle case est-ce que tu étais et si tu penses que l'on peut donc recréer de l'esprit critique à l'échelle de la population la plus affectée. Puisque, en gros, ce que toi et moi, ce sur quoi on est immédiatement d'accord, c'est que l'armée de l'ombre du mal est faite des débiles légers, faciles à manipuler. Oui, il n'y a pas que des débiles légers dans l'armée de l'ombre. Pas des psychopathes très organisés, mais c'est pour ça que je dis l'armée de l'ombre, l'armée, voilà, les fantassins, pas les généraux, hein, pas ceux qui sont au sommet de la colline avec une longue vue. Là, je pense qu'il y en a de très élaborés qui savent ce qu'ils font. Mais l'énorme population de débiles dont tu peux constater que le QI n'excède pas leur température anale quand ils viennent commenter tes posts sur X, ceux-là sont une immense audience et on peut compter sur la population française pour nous en fournir 20, 30, 40% entre les macronistes et les castors, bref, des espèces de parasites. Le vide psychique absolu, tu tentes de discuter avec eux, ils sont toujours à côté du sujet, quoi. Et ça, tu peux compter sur eux à partir du moment où tu... met en place un certain nombre de dispositifs d'ingénierie sociale, tu peux te les mettre dans la poche. Il suffit d'être super malhonnête intellectuellement, de les étiqueter, d'utiliser tous les biais connus. Voilà, bon an, mal an, tu arriveras à en avoir 4 sur 5 dans le plan le plus tordu qui va flatter leur narcissisme de pseudo-citoyens non emmerdables. Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu penses qu'on peut en tirer une partie de cette torpeur critique et psychique? On peut en tirer une partie, mais on n'en tirera pas une grande partie. Parce que justement, ce que j'expliquais, le problème est là, c'est que beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette historique manipulation via les idéologues qui est ancrée dans l'ADN même des parents. Donc, on est né avec ça, pour ainsi dire. Et que pour déprogrammer tout ça et en prendre conscience et trouver une forme d'autonomie, ça ne peut pas générer, ça ne peut pas s'allumer, si tu veux, dans tous les cerveaux. Ça ne peut pas. Là où ça s'allume le plus, c'est en province. Quand tu es dans des grandes villes, c'est plus difficile. Parce que les grandes villes assistent encore plus. Tu as tout dans les grandes villes, pour ainsi dire. Et donc, et les gens, en plus, n'ont pas le temps de réfléchir. C'est métro, boulot, dodo. J'en sais quelque chose, j'ai connu ça aussi. Donc, on n'a pas le temps de discerner, de réfléchir. On n'a pas le temps de se poser. Qu'on a un petit peu plus... Dans les campagnes, puisqu'on est plus proche de la terre. Alors, je fais une généralité, ce qui n'est pas du 100%, hein. Attention, je réitère. Donc, pour que les personnes comprennent, moi, de toute façon, je ne baisserai jamais les bras, je l'ai toujours annoncé et je continuerai de le dire, je fais partie de cela, et j'y crois, je crois qu'on y arrivera. Et on n'y arrivera pas avec ces gens-là, on y arrivera avec ceux qui ont compris ce qui se passe, même s'ils ne sont pas tout compris, même si on n'est pas d'accord, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions. En tout cas, on est sûr d'une chose, on va dans le même sens. C'est qu'on va vers quelque chose de souverain, donc vers l'humanité, je vais y arriver, et donc de détruire tous ces dogmes et ces idéologies de mondialisme. Mais le mondialisme n'est pas arrivé en claquant des doigts en quelques jours, quand bien même il y a eu tout un tas de sectes et de ramifications de sectes qui justement permettent de noyer le poisson. Tu as étudié les sectes? Pardon? Tu as étudié les sectes? Ah oui, j'en ai étudié quelques-unes. Oui. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Et si toi, tu penses justement, parce que moi, je suis en train de découvrir et d'explorer le sujet. Est-ce que tu crois que certaines sont en mesure de perdurer au travers des âges et des générations? Normalement, oui. Mais alors, il y a tout un ensemble de choses. Il y a déjà, il faut trouver la vraie tête derrière la secte. Parce que tu as celui qui va se présenter d'une certaine manière. Tiens, c'est un peu comme les grèves. Celui qui crie le plus fort, ce n'est pas forcément celui qui a mis la grève en place. Donc, il faut déjà comprendre ça. Il y a des notions de spiritualité qui sont derrière. Et ensuite, il y a, est-ce que c'est maintenant qu'on va en avant et qu'on met les choses en avant de façon à se présenter et on va manipuler un maximum de personnes en leur faisant miroiter monts et merveilles. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Il y a des tas de façons d'attirer les ouailles dans ces univers-là. Ou est-ce qu'on fait un peu plus profil bas pour mieux se construire et le faire plus tard quand ce sera notre temps? Aujourd'hui, ils sont très en exergue. Tout ce qui est mal, en fait, est en exergue. Mais le mal ne dure jamais.
Excuse-moi, je vais préciser ma question, parce que toi, tu es profiler, je pense que tu es mieux que quiconque capable de répondre à ça. En tout cas, tu as une autorité, une expertise qui te permet d'aller sur ce terrain-là infiniment plus que moi, je n'en serais jamais capable. Que je voudrais, c'est une question sincère que je me pose et qui a la limite de m'empêcher de dormir. Parce que je pense que c'est la putain de bonne question, comme dirait le personnage de Depardieu dans le vieux film Rive droite, rive gauche, pour ceux qui sont un peu cinéphiles. Hein, tu sais, quand il dit c'est une putain de bonne question. La putain de bonne question, c'est de savoir si la colonne, la colonne vertébrale idéologique des sectes qui ont plusieurs centaines d'années est suffisamment solide pour s'auto-régénérer de génération en génération. Et si, comme moi, je le disais d'intuition tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de préhensile, entre guillemets, de presque pratique, psychiquement parlant, hein, pour les tarés de cette planète, que d'aller puiser leur inspiration dans la doctrine des sectes destructrices et qui consiste à, tu vois ce que je veux dire, à vouloir asservir le monde, etc. Est-ce que ça ne vient pas se mettre au service de l'hubris des plus cinglés de cette civilisation qui, en plus, favorise hein, le show permanent des plus cinglés, en plus hein, il y a la prime à la visibilité et à la notoriété du plus cinglé et du plus dangereux. Et je me demande si, justement, ils ne vont pas, parce qu'ils ont quand même une forme de cohérence, et je me demande s'ils inventent tout spontanément avec le génie du psychopathe, le psychopathe étant parfois génial, ou si, selon toi et selon tes constats, donc pardon, ma question est longue, mais je voulais bien la spécifier pour bien que tu entendes là où je voulais aller, est-ce que oui ou non, tu penses qu'ils vont puiser dans les racines historiques du mal avec un M majuscule, comme diraient certains? J'aurais tendance à dire que tu as le mal qui se régénère, c'est-à-dire qu'on va réveiller le mal qui a été tué ou qui a été endormi. Il meurt vraiment jamais, mais il faut trouver la bonne personne, l'élu, qui va réveiller. Et c'est selon les sectes, parce que tu as aussi l'idéologie qui va créer la secte, mais tu as aussi l'idéologue qui peut se raccrocher à une secte. Et tout ça se ramifie. Et puis, tu as la névrose qui va trouver une légitimité dans l'histoire de la secte qui traverse tout à coup la connaissance, la conscience d'un cerveau malade. Et ça va décupler, en fait, sa volonté de créer cette secte et de trouver des ouailles pour pouvoir les attirer dedans et alimenter. Ton travail, tu as trouvé des psychopathes qui allaient puiser dans les racines historiques des sectes les plus dangereuses juste pour se trouver une sorte de justification pseudo-morale à leur psychopathie? J'en ai trouvé et ça les aide et ça les aide tellement, c'est que tu peux rien putain, leur dire. C'est ce que je redoutais, moi, putain, je redoutais ta réponse. Voilà. Ils sont complètement, si tu veux, ils sont complètement embarqués dans leur truc et tu ne peux pas leur expliquer quoi que ce soit tellement ils sont manipulés. Alors les JO dans ce contexte-là, parce que moi c'est les JO qui a déclenché toutes ces lectures. Je dis, bon, okay, c'est bon, ça fait trop longtemps qu'on m'en parle, je ne prends pas au sérieux le délire sataniste. Là je vais dans la source et je me dis, oh purée, incroyable, tout était écrit, ça tient la route, et les mecs qui ont publié des bouquins là-dessus sont des conférenciers du siècle dernier qui étaient des agents secrets, quoi. Donc c'est pas des tarés. Non, et là, depuis que je vois les JO, je me dis quand même. Si tu veux, c'est des choses secrètes. Le mot secret veut bien dire ce que ça veut dire. Tout chef d'État connaît ces systèmes-là, si son niveau de défense est très bien organisé, mais ils s'en servent aussi pour leurs intérêts. C'est-à-dire que c'est du win-win dans les deux côtés. Mais tant que ça reste secret et que ça ne prend pas une ampleur comme ça a pris pour les JO, bah, si tu veux, ça passe. Tu as toujours des enfants sacrifiés, tu as toujours des empoisonnades, tu as toujours des viols, des choses comme ça. Ça existe toujours, mais oh, c'est si mineur que, bon, allez, on passe à la trappe. Ce n'est pas 3-4 vies qui vont changer quelque chose. Là, maintenant, c'est mis en exergue. Mais c'est tellement mis en exergue que ça en a écœuré une bonne partie de la planète. Parce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de la réussite narcissique de Macron. Il a pris sérieux cher depuis pas mal de temps et surtout depuis les JO. Il a pris cher et notamment aussi avec le vieux à côté. Vraiment. C'est marrant, moi je ne le vois pas comme ça. Je le vois justement comme un mec qui prend son pied sur la corde raide. Non, il est parfaitement au courant de ce qui se passe. Il prend son pied, pourquoi? Parce qu'il est encensé par les siens et il est loin du terrain. Mais c'est volontaire, ça. Il est complètement loin du terrain. Les 3-4 clampins qui l'applaudissent quand il sort, c'est payé, ça. Ce sont des gens qui sont payés. Donc, il n'est vraiment pas du tout sur la réalité de ce qui se passe. D'où la surprise des huées quand ils ont des huées. Mais à l'international, et je travaille beaucoup avec l'étranger, je peux te garantir que la France a vraiment une extrêmement mauvaise image et encore plus en investissement. C'est-à-dire qu'on ne donne plus confiance en la France pour quoi que ce soit. Mais
les gens ont compris qu'il y a le peuple français et la Macronie. C'est ce qui nous sauve. Alors, une autre question pour toi. Il s'avère que le hasard hein, fait que mon navigateur, et là on est sur un ordinateur, j'ai le navigateur ouvert, je tombe sur X, je tombe sur un tweet d'Aldostérone qui montre, ça fait d'ailleurs plusieurs jours qu'il fait ça, il a toujours fait, et là c'est assez intense ces derniers jours, il montre des enfants de célébrités qui sont des trans. Ouais. Et il cite un article du Daily Mail britannique qui dit « Pourquoi est-ce que les enfants des célébrités ont une telle propension à être trans ?» Pourquoi est-ce que ça va avec la célébrité ? Alors, est-ce qu'on va au bout, on explore la thèse complotiste qui est de dire que tous ces gens ont un peu trempé dans une forme de cooptation luciférienne pour exister socialement dans leur petit écosystème de tarés ? Ou alors, est-ce que tout simplement, ça rentre dans une forme d'hubris narcissique, tu vois ce que je veux dire, d'ostentation morale consistant à dire « Regarde, nous sommes en avant-garde, nous autres, les stars nombrilistes, du progressisme dans l'intime et on vous l'expose comme ça, puis on passe notre message, etc. » C'est Megan Fox, on voit une photo d'elle avec ses trois fils. Les trois fils sont habillés en filles, quoi. Elle a trois enfants trans et je crois que le plus vieux, il a 11 ans. Ils n'ont pas eu encore d'érection, mais ils sont déjà dans le projet des bloqueurs de puberté qui les empêcheront de savoir s'ils sauront un jour se servir de leur quéquette pour avoir un orgasme. Et je tiens à le dire comme ça, hein. Oui, non, tiens à le dire comme ça. C'est pas de la vulgarité de ma part. C'est parce qu'en fait, il y a une espèce de... Ces gens qui nous reprochent d'être bigots ont eux-mêmes l'incroyable tartufferie bigote, justement, de ne pas parler des vrais sujets. Je veux dire, un enfant à qui tu donnes des bloqueurs de puberté, sa quéquette, elle va pas pousser plus que mon petit doigt, ok ? Il pourra jamais bander, et donc il ne saura pas, entre guillemets, il n'aura pas été capable de se déterminer sur la base d'une découverte de ce que son corps peut lui amener comme sexualité. J'aurais plein de trucs à dire là-dessus, mais je vais péter un câble. Je voudrais te passer là, si j'en parle, ça y est, je deviens fou. Ma chère Nadine, moi, je voudrais t'entendre là-dessus, d'après toi, alors, justement, si tu as étudié ce sujet-là, pourquoi, chez les célébrités, ça explose comme un titre de gloire, j'ai un enfant trans de plus en plus. C'est quoi leur problème à tous ces tarés-là ? Ce que je pense, déjà, la première chose, c'est qu'en effet, ce que tu dis, c'est qu'ils ont trempé plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas devenus célèbres comme ça, et tout le monde ne valide pas ce genre de choses. On a vu... Dernièrement, c'est Sly, hein, Sylvester Stallone, qui a appuyé le dernier film qui est un genre de Sound of Freedom, mais je ne me rappelle plus du titre du film qui va sortir sous peu. Donc, ils commencent à se réveiller pour certains. Donc c'est déjà Sais que Mel Gibson a soutenu le film Sound of Freedom, que j'ai vu d'ailleurs, qui est terrifiant. Oui. Alors, je n'ai pas encore vu ces films, ni celui de Pierre Barnerias, ce que je connais, puisque j'ai fait partie d'Hold Up, Pierre. Je l'ai félicité du reste. J'avoue que j'ai un peu de mal, parce que moi-même, je suis victime de violences abus sexuelles sur mineurs et majeurs. Et donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal. Je vais le faire. Alors, excuse-moi, je n'étais pas au courant, et peut-être que je ne serais pas allé avec cette énergie sur ce sujet, hein, pardonne-moi. Non, ne le sois pas, Fred, il n'y a aucun problème. C'est MeToo m'a révélé, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu un blocage, et par contre, je n'en parle pas. Je le dis juste parce que je l'ai avoué publiquement un jour dans une émission, et maintenant je le dis, mais je n'en parle pas plus. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont tous plus ou moins trempé dans tous ces éléments-là, parce que le showbiz et la politique sont assez proches. Le côté média, showbiz, politique, ça, c'est les mêmes mondes, pour ainsi dire. Pas pour tous, hein. Attention, ce n'est pas du 100%, mais en tout cas, combien voit-on de chanteurs ou d'acteurs qui ne percent pas parce qu'ils ont refusé ? On en voit des tonnes. Et tu vas juste dans le métro, des chanteurs, tu en as un paquet qui sont extra. Aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'il y a longtemps que je suis parisienne d'origine. J'en ai connu, j'en ai croisé des pas mal. Pour toi, il y a un mécanisme de cooptation fondé sur la nécessité de tremper dans un truc tordu pour montrer qu'on appartient à des êtres supérieurs qui peuvent se délester de notre moralisme de gueux. C'est ça, en fait. Et dans le business, c'est pareil. C'est au niveau du business, à certains niveaux, c'est pareil. À une époque, que je me rappelle, la promotion canapé était de plus en plus forte. Moi, on me disait, tu auras un contrat si tu couches. Ben non, je ne coucherai pas. Je n'aurai pas le contrat et je m'en fous. Parce que c'est hors de question. Et c'était courant de dire ça. Les managers n'étaient pas gênés de te dire ça. Tu vois, c'était normal comme on va aller prendre un café à la cafette. Vraiment ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a énormément de gens qui suivent ces stars, qui suivent la façon de s'habiller, de se coiffer, de se vêtir, de parler. Ils ont acheté tel truc, je vais faire pareil. Ils ont fait telle opération. On regarde, ce que je regardais, moi, à un moment donné, c'était
les Marseillais, parce que ma fille avait la bonne idée de regarder ça, et j'étais curieuse de voir ce qu'elle regardait. J'ai pas pu regarder longtemps. Hein. C'est, ils n'arrêtaient pas de s'enguirlander et c'était horrible. Je dis, mais enfin, tu vois des gens qui n'arrêtent pas de s'enguirlander, ça te fait plaisir, toi, ça te plaît, alors qu'ils se crient dessus, ils s'insultent, ils s'injurient, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant. Et en fait, ils se modifiaient leur corps. Donc, des fausses lèvres, des faux seins, des fausses fesses, des faux cheveux, enfin, tout ce qu'on veut. Et tu as plein de gens dans la société qui font pareil. Aujourd'hui, avoir des rides, c'est terrible. Présenter des rides, de la vieillesse de ton temps, des cheveux blancs, des trucs comme ça, c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et beaucoup de gens préfèrent ressembler à un beau selfie, quel qu'il soit et quoi que ça coûte, plutôt que d'être eux et de vivre eux. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, parce que tout ça, ça a été mis en place. Donc du coup, quand on voit des Megan Fox ou je ne sais qui, que je connais à peine, hein, je regarde en plus à la télé, pas beaucoup, mais je suis un petit peu cinéphile quand même. Quand on voit présenter ça, c'est un assassin de ses enfants. Ces gens-là sont des assassins vis-à-vis de leurs enfants, parce que ces enfants ne sont pas en âge de comprendre ce genre de choses, ne sont pas en âge de s'apercevoir ce qui leur passe. Et ils leur retirent totalement leur identité, mais à 100%. Ils leur retirent complètement leur identité en les habillant autrement. Ce n'est pas les déguiser, ce n'est pas de dire on va faire un carnaval, est-ce que tu veux porter une jupe alors que tu es un garçon, par exemple. C'est de leur imposer quelque chose et de l'imposer en plus publiquement. Donc ça va rester, parce que tout reste sur Internet, même toutes les bêtises qui sont possibles, mais ça reste, sauf ce que les politiques veulent faire scraper. Et là aussi, j'en ai une preuve. Mais toujours est-il, c'est que les juristes, ces enfants-là sont martyrisés à vie. On ne peut pas dire « j'ai envie d'être un garçon ou une fille enfant si ce n'est pour jouer ». On ne peut pas dire ce genre de choses. C'est du n'importe quoi. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'insurge, parce qu'on fait du mal aux enfants. J'aime pas qu'on fasse du mal aux gens, mais encore plus à des êtres qui ne sont pas encore totalement formés, qui sont innocents, que l'on doit protéger, que l'on doit choyer, que l'on doit aimer. C'est quelque chose qui m'insupporte. C'est un sujet sur lequel je pourrais aussi me mettre sérieusement en colère. J'ai fait une émission avec le docteur Frédéric Goerger. On a parlé de Evras, puisque Evras est sorti avant EdSense en France. Donc Evras, c'est l'équivalent d'EdSense, c'est-à-dire tout ce qui est la sexualité à l'école chez le tout petit, de leur apprendre à faire des sextos, de leur apprendre à se masturber à 3 ans, toutes ces choses. C'est écrit, hein, noir sur blanc, je l'ai lu le truc, c'est à vomir, c'est à vomir. Oui, sachant que tout est fondé sur un postulat extrêmement tordu, qui serait que les enfants auraient une sexualité, ce qui est ne pas comprendre, d'abord, ne pas être foutu de déterminer ce qu'est la sexualité avec ou sans pénétration, etc. Les gars, expliquez-moi. Mais surtout, l'enfant a peut-être des pulsions, a besoin d'être rassuré, besoin de tendresse, besoin de beaucoup d'amour. Mais moi, je milite pour qu'on s'interdise de dire qu'ils ont une sexualité. C'est une espèce de posture pseudo-freudienne bâclée. Ça, en plus, pour arriver à dire une chose pareille sans même s'interroger sur la validité de ce que l'on dit, de deux choses une: soit ça veut dire qu'on est soi-même un pervers en puissance, soit ça veut dire qu'on est vraiment un débile léger, quoi, voire un débile profond. Parce que même moi, en le disant, je me dis, bon, ça vaut le coup, pour reprendre le terme du début, de dialectiser sur ce thème-là, quoi, et de voir si on n'est pas dans la nécessité d'interroger cette notion, parce que ceux qui la balancent comme ça vite fait comme argument d'autorité, vraiment, c'est de ces gens-là que je me méfie le plus. Je veux dire, si tant est qu'ils aient d'une certaine manière raison, pourquoi refusent-ils le débat? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous, à chaque fois qu'on leur dit bah « non, je ne suis pas d'accord avec ça », on est à deux doigts d'être traités de, je sais pas, de vieux cons péténistes, quoi, hein, je veux dire, ultra-ringardisés, antiprogressistes, c'est nous qui devenons pulsionnels, c'est nous qui avons une réaction bestiale, c'est nous qui sommes des vieux conservateurs dégueulasses, etc. Enfin, c'est incroyable parce qu'on se prend dans la tronche, quoi. Mais même, hein, il suffit de lire des réponses que j'ai d'un certain nombre de débiles sur mes tweets. Je veux dire, à un moment donné, je commente la photo de Megan Fox avec ses 3 garçons qui sont habillés en filles. Je fais référence à une notion de vie saine, quoi. Je ne sais plus trop comment j'en ai parlé, peu importe. Et j'ai un abruti, j'ai plusieurs, mais je vais donner quelques exemples. Mais ça dit bien la psychologie d'époque. Évidemment, je ne veux pas résoudre mon problème avec ce troll débile que j'ai dû bloquer. On s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que ça révèle, évidemment, sociologiquement parlant, hein, sur le plan de la psychologie générale. Donc, j'ai un gars qui dit « Ouh, que voilà du patriarcat nauséabond et dégoulinant. Ah. » J'en ai un autre qui me dit « Alors, qu'est-ce que tu fais ?» Alors, il y en a un carrément, il m'écrit « Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu empêches tes enfants de s'habiller comme ils veulent et tu les frappes ?» Le mec me dit.
Donc, quand vous avez des gens dans le peuple qui sont assez cons pour me dire des trucs pareils, c'est que tu sais que eux-mêmes, à l'âge de 4 ans, leurs parents, ils ont probablement leur a mis un doigt dans le cul ou obligé à porter des strings dans la petite école. Il y a un problème. Je veux dire, pour arriver à me dire à moi ce qu'est que le fait en tant que père, avec bon sens. Je peux vous dire que mon gamin de 5 ans, c'est un petit cabri qui, justement, qui cabriole dans tous les sens, qui veut s'amuser, on se prend dans les bras, on se fait des gros câlins remplis de tendresse. Et parfois, je me dis, putain, il y en a qui voudraient peut-être me démontrer que là, il y a une pulsion. Enfin, passons. C'est là que tu réalises qu'ils sont tarés. Parce que moi, ce que je vois dans les yeux pétillants de l'enfant, c'est le besoin d'être rassuré. C'est que simplement, dans son petit cerveau en train de se construire, il y a la nécessité de vérifier qu'il est protégé, aimé, en sécurité. Et plus je lui donne cette sécurité, et plus je vois qu'il demande, eh ben, non pas à explorer son corps comme le fantasme, les pédophiles et les pédocriminels en puissance qui nous balancent leurs théorèmes de merde. Non, il demande à lire plus de livres. Il demande à attraper des sauterelles dans le jardin. Il veut savoir si on peut les élever. Il demande à explorer le règne animal. Il demande avec moi, on a récupéré des mésanges charbonnières, je crois, c'est leur nom. Très jolis, des petits oiseaux avec une espèce de gorge jaune, là. Oui. Vous savez, vous avez les mésanges bleus et les mésanges charbonnières qui ont du jaune. Voilà, très joli. Il y a un petit nid, il y en avait 5, il y en a 2 qui étaient mortes. Mon fils s'est passionné pour sauver ces oiseaux. Mais il faut qu'on parle de ça, en fait. Ça, c'est idiot ce que je dis, hein. Je m'entends parler, je me dis, putain, j'ai l'air d'un fou. Mais en fait, dans un monde de tarés, il faut pouvoir rappeler aux gens qu'un enfant, ce qui va vraiment l'éclater, c'est de savoir la quantité de viande hachée qu'on donne à un petit oiseau pour sauver sa vie. Pas si à l'école, il y a une espèce de mal baiser, de cinglé, de pseudo-pédagogue qui va lui tomber sur le coin de la figure et lui dire « Tu sais, tu peux changer de prénom sans le dire à ton papa. » Parce qu'il y a des gens comme ça qui témoignent. Et ces gens-là, en fait, moi, je peux vous le dire en vidéo, je les ai devant moi. J'encours le risque d'une soirée au poste et je leur fous un pain dans la gueule sans problème s'ils osent parler à mon fils comme ça. Parce que ça, c'est terminé. Les hommes vont arriver, les hommes comme moi qui ne laissent plus du tout ces choses-là faire, je fais exprès de hurler. Vous savez pourquoi je hurle? Parce que j'en ai marre des gens qui n'ont pas de couilles et qui cherchent toujours à dire ces choses-là de manière très polissée pour ne pas se faire sortir du dernier plateau à la mode où ils ont été invités. Il faut qu'ils trouvent un mot d'esprit pour essayer, avec une ironie plus ou moins subtile, de dire leurs convictions. Moi, je leur dis « Non, tape sur la table, mon pote !» Un peu de courage, c'est les enfants qu'on torture là, psychiquement, pour après peut-être pour certains les mutiler. Regardez un de mes tweets récents, on voit deux espèces de grandes folles qui sont avec un enfant qui n'a pas 11 ans et il y a écrit « Il a transitionné de son plein gré ». Et on voit l'enfant qui est là et qui fait ça, qui est en fait un petit garçon transformé en fille. Et quand tu vois la tronche des deux folles derrière, je peux te dire que mes amis homosexuels, j'en ai, et c'est pas un totem. Mes amis homosexuels, ils pètent un câble. Ils disent, à partir du moment où moi j'ai choisi une vie d'homosexuel, et tu peux demander à des amis comme Anna Bello, des gens brillantissimes en plus, qui sont très bien en public et qui n'ont pas besoin de moi, ils disent, à partir du moment où tu choisis cette vie-là, tu ne mets pas un enfant là-dedans. Et à plus forte raison, tu ne mets pas la dysphorie de genre dans sa tête, parce que c'est ça en fait qui se passe. Ces gens-là veulent essayer de nous démontrer que c'est nous qui sommes pulsionnels. Et bien celui qui entend là ma colère et qui croit que je suis en train de devenir un animal, et bien je lui dis oui. Tu es en train de devenir un animal devant toi, mon pote. Parce que si tu touches à l'enfance, je te la défonce, ta petite gueule de merde. Parce que les gens là qui intellectualisent et dont j'ai fait aussi partie, nous sommes coupables. Maintenant, il va falloir qu'on mette nos coups sur la table et qu'on s'énerve. Parce qu'ils touchent à l'enfance. Et l'enfance, tu ne touches pas à l'enfance. L'enfance, on ne parle pas de ça, de se lécher le zigouigoui ou d'aller faire des trucs tordus entre les cuisses de ton copain quand on est un garçon ou peu importe une fille. Tu touches pas aux enfants et je veux que les gens entendent ma colère parce que plus aucun homme dans ce pays n'a le courage de se mettre en colère dignement. Ça, c'est une colère structurante. Ça, c'est une colère saine. La pseudo-colère des victimes qui souinent, ah, c'est pas ça. Moi, si tu touches à mon fils, je te pète la gueule et je te fous à l'hôpital si tu touches, si tu l'approches. Vous comprenez? Voilà pourquoi, excusez-moi mesdames, je me lâche parce qu'il n'y a pas assez d'hommes dans ce pays pour dire stop au viol psychique des enfants. Et regardez ma colère, tremblez, la peur, elle va changer de camp. Vous pouvez me cancel, bande d'enculés. Moi, je vais tomber sur le coin de la gueule et je ne serai pas seul. Pardonne-moi, Stéphanie, j'utilise ton émission pour dire comme ça doit être dit, parce que je ne veux plus qu'on intellectualise ce sujet. Ces gens veulent nous mettre en boîte.
nous vexer, nous animaliser, parce que nous avons des réactions, en effet, animales, de père et de mère. Et c'est terminé de jouer avec la bouche en cul de poule, et vas-y que je t'intellectualise le sujet en te sortant du freudisme bâclé, d'un culte. C'est terminé tout ça. Ces gens-là sont en train de justifier la pédocriminalité au travers du choix de sa sexualité. Toutes ces choses-là sont en train d'arriver. Vous connaissez le raisonnement. C'est une sorte de sophisme en train d'émerger. L'enfant qui peut choisir son sexe entre l'âge de 4 ans et 11 ans. Ah bah, s'il est assez mature pour choisir son sexe et le changer, bah demain on va dire il est assez mature pour déterminer que le vieux monsieur là, de 58 ans qui lui a appris la fellation, bah il l'aime. C'est ça en fait la pente glissante. Et puis surtout, derrière, ah, j'irai volontiers dans le sens de ceux qui émettent une hypothèse que je crois de plus en plus recevable, à savoir qu'il y a peut-être un projet de désidentitarisation de la société en vous... Vous voyez, c'est un peu le personnage de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou quand il dit « Tu sais plus si tu chies du poivre ou si tu pisses du vinaigre. Hein ? Tu sais plus où t'en es. » En fait, cette espèce de bombardement psychique qui sert à te désorienter, à te dépotentialiser, pour employer un terme de la psychologie, notamment la psychologie cybernétique, hein, créée par Gregory Bateson, l'écologie de l'esprit. C'est de ça dont il s'agit, l'écologie de l'esprit. Ça veut dire quoi ? Tu changes l'environnement. Tu crées l'incertitude, tu mets le chaos, mais les êtres humains sont 50 fois plus, 1000 fois plus occupés à trouver leur chemin dans un monde de tarés qui a absolument tout déconstruit, qu'ils ne sont occupés évidemment à réfléchir au sens de leur vie et à l'absurdité du monde qu'on leur balance à la gueule. Donc ça marche en fait cette ingénierie sociale, parce que même ceux qui ne sont pas éclaboussés, eh bien ils sont sidérés, comme moi, ou ils sont en colère, sauf qu'il va falloir qu'on les prévienne bien et je les regarde dans les yeux. Faites très attention parce que notre colère, elle est en train de s'orienter. Elle est en train de s'organiser. Elle est en train de devenir stratège, notre colère. Vous pensiez nous avoir déstabilisés, vous êtes en train de nous consolider, vous êtes en train de nous renforcer. Et on ne va pas vous laisser toucher nos enfants. Vous n'allez plus toucher nos enfants. Là, c'est la fête du slip. Vous croyez qu'on peut se marrer? Vous croyez que vous pouvez nous tomber sur le coin de la gueule avec toutes vos petites entourloupes sémantiques, sophistiques? Mais ça y est, c'est terminé les gars. Parce qu'il y a des gens comme moi qui mettent leur couille sur la table, qui n'ont rien à foutre qu'on leur efface 2-3 comptes de merde dans les réseaux sociaux et on va venir vous chercher. Alors, si je puis me permettre, bravo Frédéric, parce que je ne pense pas que tes mots vont choquer qui que ce soit. Je pense au contraire qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier ce que tu viens de dire parce qu'on manque d'hommes qui parlent comme toi. Donc, je te félicite. Et j'aimerais bien entendre plus souvent des hommes qui parlent comme toi, quelle que soit leur colère, quelle que soit Je te remercie. Tu sais ce qui a changé ma vie, c'est très bête. Hein. C'est une dissertation que j'ai fait à l'époque des concours. Ça s'appelait « Y a-t-il un devoir de la colère ?» Je pense toujours à cette disserte. Il n'y a pas une disserte qui vous a marqué à vie, moi c'est celle-là. Elle m'a marqué à vie parce que j'ai trouvé que la question est puissante et elle est structurante de ma vie aujourd'hui. Et ça reste une question ouverte parce que la colère n'est pas toujours un devoir. Encore faut-il bien définir la colère. Mais il y a de certaines colères structurantes fondées sur la dignité du combat. Et justement, quand je dis la dignité, donc l'indignation, il est de certaines indignations évoluant en colère salutaire. Le problème de l'homme moderne là, aujourd'hui, c'est qu'on l'a tellement bestialisé, on lui a tellement dit « tu es un mâle avec tes couilles poilues, velues, là, tu es sale, tu es une bête, tu es un animal, ouh, tu vas voir, si jamais tu commences à faire le con et à draguer une fille dans la rue, tu vas te taper un MeToo à la première occasion », ce qui ne remet absolument pas en cause, évidemment, la légitimité du MeToo quand il est justifié. Ce que je veux dire, c'est qu'à force de, tu vois, de flouter les limites de tout déconstruire, les gens vivent dans cette espèce de… dans une certaine symbolique d'ailleurs en psychologie on appelle le monstre. Tu sais ce que c'est le monstre? C'est la rencontre de l'exaltation désirante, c'est-à-dire l'élan vital, d'accord, l'exaltation désirante avec l'inhibition craintive. Ouais. Tu vois, le démon, le monstre selon certains psys, hein, c'est, vous trouverez ça d'ailleurs dans le dictionnaire des symboles édité par les éditions Bouquin. Un jour, je suis tombé là-dessus, c'était une superbe synthèse. Vous allez au symbole du monstre. Il y a justement tout un courant psychologique qui, pour simplifier, appelle ça le monstre. Pensez à Shakespeare, Iago parlant du monstre vert de la jalousie quand il s'adresse à Othello. On porte en nous des monstres, des monstres infâmes et chaotiques, d'accord ? C'est vrai. Mais le monstre le plus épuisant psychiquement, c'est celui qui oppose, vraiment, je répète, l'exaltation désirante, c'est-à-dire l'élan vital qui nous porte,
comme celui qui m'amène à avoir ce que je pense être une colère salvatrice et nécessaire pour sauver la peau de mon fils dans un monde de merde. Okay. Et à côté de ça, l'inhibition craintive, c'est-à-dire tous ces gens que je symbolise mentalement, pour simplifier, je caricature volontairement, hein, mais comme ceux qui ont leur ronde serviette sur les plateaux télé et qui ne veulent pas en être chassés en étant toujours politiquement corrects, mais y compris dans leur subversion, c'est-à-dire une espèce de subversion calculée. Mais à un moment donné, pour moi, le vrai héros, là, par les temps qui courent, c'est en effet celui qu'on va brancher sur ce sujet-là, qui va être face à deux, trois pédophiles notoires comme on en croise forcément sur les plateaux télé en ce moment, et qui va mais péter une caméra. Je ne dis pas qu'il va péter la gueule du mec, hein, il ira en tôle. Mais il faut qu'il se lève en arrachant son micro en disant « je ne peux pas rester sur le plateau d'une pourriture ». Et le problème, en fait, c'est que tu vois, l'inhibition craintive est comment dire, elle est intuitivement reliée à la peur de la censure, de l'effacement social, hein, la « cancel culture ». Tout autant d'ailleurs que ce sur quoi la cancel culture est peut-être justifiée quand on a affaire à des vrais pourris, à un moment donné, il ne faut peut-être pas leur donner la tête de gondole. On est d'accord. Mais maintenant, ça peut tomber sur n'importe qui, n'importe comment, du fait d'une ingénierie sociale permanente, d'une sorte de bombardement psychique incessant. Donc, vous avez plein de gens qui ont payé cher leur place dans la mondanité, dans le monde, qui ont peur d'en être chassés et qui, du coup, se révoltent, mais poliment du bout des lèvres, et j'ai envie de dire, mais les mecs, c'est terminé ça. Ça y est, vous êtes la preuve, vous tous, autant que vous êtes là, tous les lâches, et y compris l'écosystème politique qui pose pas. Où est l'écosystème politique sur la lutte contre le pédosatanisme avéré dont tout un tas de documentaires nous apportent des preuves au quotidien? Quand bien même cela serait non pas une sorte d'immenses sectes comme le fantasme certain avec des milliers et des milliers, des centaines de milliers d'enfants dans le monde qui seraient détournés. Quand bien même ça ne serait pas le cas, ce dont je doute, parce que j'ai l'impression, à l'aune du nombre d'enfants qui disparaissent et des documentaires qui commencent à en parler, qu'il y en a beaucoup. Mais quand bien même ça ne serait pas ça, et qu'il y ait, je vais dire une bêtise, 50 ou 100 enfants victimes de pédosatanistes en France, et que je sache, ça justifie d'en faire un putain de sujet de société avant que ça s'aggrave. Et puis même parce qu'en l'état, c'est déjà grave. Enfin, un enfant qui meurt comme ça, c'est déjà un enfant de trop. Pourquoi les politiques n'en parlent pas plus que ça? Où est leur capacité de subversion? Où est leur capacité de résistance à quelque chose qui émerge et qui est un signal faible de l'émergence de quelque chose de foncièrement maléfique? Où est là leur courage là? Tu voyais, il n'y a rien. C'est le néant total. Et ils sont infoutus de coaliser pour se battre contre ça. Donc, je termine juste, Nadine, en disant c'est le moment de faire sortir l'esprit farouche du français, hein, latin, ayant une, je dirais, une conscience non pas belliqueuse, mais quand je dis farouche, au sens noble, c'est-à-dire farouche, tu viens pas sur les plates-bandes de mes gosses, ni des gosses de mes voisins, parce que sinon là, je te prends à part et je te règle ton compte. Il touche aux enfants. Tu vois, si vous réalisez l'énormité du truc, oui, vous, bien sûr. Mais l'audience, là, ceux qui nous écoutent, vous êtes allés voir les propositions de l'OMS? Vous êtes allés jeter un petit coup d'œil sur leur publication? OMS, vous voulez quoi comme preuve? Vous êtes cons ou quoi, les gars? Vous avez peur qu'on efface votre petit profil dans les réseaux sociaux? C'est ça, le problème? Mais je ne parle même pas pour le concitoyen de base. Je parle pour ceux qui ont déjà une notoriété. Ils ne sont pas suffisamment nombreux à hausser le ton. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, de manière générale, je veux dire, dans l'entourage de Macron, il doit bien avoir un ou deux dissidents qui sont là, qui font les tartuffes et qui doivent de temps en temps se lever le matin en se disant « Putain, est-ce que je peux continuer longtemps cette hypocrisie pour exister socialement ?» Il n'y en a pas un, à un moment donné, qui a envie… Je sais pas, hier, je regardais la conférence de presse d'Éric Piolle de Grenoble, disant « Tout le monde peut se prendre une balle perdue ». Ma question, c'est pas de savoir si ce connard mérite d'être le maire d'une ville. Ce que je veux dire, je le prendrai même pas comme serpillière chez moi, cette merde. Ma question, ça a été de me dire « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un journaliste lui tendant le micro qui se dit pas « Attendez, je veux bien risquer mon job, mais monsieur Éric Piolle, venez et je te crache à la gueule ». Comment se fait-il qu'il n'ait pas quelqu'un dans son entourage qui le prend à part et qui lui pète les dents? Le mec, il tue une deuxième fois un homme qui est mort dans sa ville. Il le tue une deuxième fois par les mots qu'il emploie. Bon sang! Allons la terre! Putain, mais on est dans un monde de dingue! Le mec qui dit ça, tu le débarques, c'est fini, il n'a plus de job. Tu le fous au chômage. Il ne peut pas rester le maire d'une ville juste avec les mots qu'il choisit, enfin. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce monde?
Sérieux, il faut vraiment que les gens recommencent à s'acheter le minimum, minimum du courage et de la dignité. Donc je reviens, y a-t-il un devoir de la colère ? Et bien sûr que dans la colère, pas la colère chaotique, il y a des gens qui vont dire par exemple que parce que moi je m'énerve, parce que j'en ai marre en fait d'être dans le côté mi-figue, mi-raisin, tu vois, et d'intellectualiser tout. Donc il y a des gens qui vont dire « Oh, ce mec est fou, il est nerveux. » Mais pas du tout, mon pote. Hey, j'ai un micro qui est posé là sur ma table, tu vois, je reste dans la netteté de mon champ de vision de la caméra, je fais gaffe, hein. Je suis énervé, mais je peux pas te postillonner à la gueule, tu vois, on est loin, c'est juste une vidéo, donc du calme, hein, les petits fragiles. Je suis énervé, tu vois, mais ma colère, elle est bien canalisée. Je parle pas de la colère du mec qui est dans la rue, qui prend un couteau et qui tue n'importe qui, parce que ça, c'est pas un colérique, ça c'est un psychopathe, tu comprends, ça c'est un malade. Mais les parents en colère, qui te préviennent gentiment et qui te disent « Attention !» Tu vas la prendre ta fessée si tu continues à aller sur les plates-bandes des gens bien et à les traiter comme des soumis finalement, comme tes esclaves en fait, hein, comme des idiots utiles. Je ne sais pas comment il faut appeler ça maintenant, parce que je ne sais même plus ce qu'on est en fait. Ils nous ridiculisent, ils nous humilient, ils nous volent nos élections, ils parlent devant donc caméra en tenant des propos qui sont juste… Enfin, on est au-delà du concept même de la provocation, c'est de l'insulte à ma dignité, moi en tant que père d'famille, d'entendre qu'un gars de 49 ans qui est mort… Au lieu de décrire réellement ce qui s'est passé, à savoir qu'on lui a tiré dessus à bout portant et qu'il y a des tarés dans la rue, non, le mec te parle de balles perdues. Mais il fut un temps où ce manque de dignité dans le choix des mots se traduisait immédiatement par l'insigne honneur d'être congédié et hop, aux oubliettes, le mec. Mais non, là, on leur tend un micro, on continue, il va terminer son mandat. Mais c'est parce que autour de lui, personne n'assume le juste devoir de l'indignation, qui selon moi doit évoluer en colère structurante. Vraiment, j'insiste, il faut bien définir la colère. Il y a une colère chaotique, il y a une colère canalisée, il y a une colère qui est le mouvement, il y a une colère qui est la réaction vitale, salutaire, hein, la réaction de, je dirais, survivaliste, élémentaire. D'accord ? C'est la colère de quelqu'un qui est plaqué au sol, qu'on est en train de violer, hein, et qui tout à coup dit c'est bon, l'humiliation, là, c'est bon, on arrête. Et c'est une personne qui va décuplé d'énergie. C'est ça que je veux dire. On a besoin de trouver cette énergie structurante du citoyen, du juste en colère. Et je vais vous dire une chose. Je suis intimement persuadé que plus on leur parle gentiment, posément, et plus on flatte leur perversité. Je suis intimement persuadé que ces gens jubilent de nous voir si polissés, hein ? De nous entendre tenter de prendre le pouvoir sur le terrain du pseudo-intellectualisme foireux avec lequel ils nous ont inondés dans le déconstructivisme. Je veux dire, c'est ça le piège. À un moment donné, il faut dire « Non, non, j'ai juste dit stop !» Et vous allez arrêter vos conneries. Parce que là, ça y est, vous êtes en train de vous en prendre à l'enfance. Moi, à partir du moment où tu me mets, ne serait-ce que ce spectacle au JO, sans même m'expliquer pourquoi tu fais ce spectacle. Je veux dire, les mecs nous bavent à la figure, se foutent de nous en disant « Non, non, c'est pas le tableau que vous pensiez, tout ça. » Enfin, mais n'importe quoi. Ils n'ont même pas le courage, la dignité élémentaire, l'honneur élémentaire de nous dire « Voilà, on avait choisi de faire passer ce message-là, celui qu'on a… » Non, non, ils ne nous disent pas, ils nous prennent en plus pour des cons jusqu'au bout. Et je suis désolé, mais pendant ce temps-là, vous avez des familles, et dans des familles, il y a des enfants qui voient ce spectacle et qui se disent et qui associent la réussite sociale, la visibilité, la notoriété, le spectacle… au fait d'être pas en bleu, la quéquette à l'air, de se mettre un string dans le cul alors qu'on a une quéquette. Je suis désolé, il y a un moment, moi je veux bien qu'on me traite d'homophobe. Je n'en ai rien à foutre. Je pense que eux sont hétérophobes. Et je pense que eux sont hétéro-haineux. Je pense que eux détestent ce qu'ils fantasment comme étant notre normalité. Alors qu'en fait, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Moi j'ai adoré hein, les spectacles de Travelo à 3h du mat au Folies Pigalle quand j'étais jeune. Une boîte de nuit, très bien, c'est leur place. Mais pas dans les bibliothèques à lire des bouquins aux élèves. Aux enfants de 11 ans, avec des enfants qu'on voit dans les documentaires qui disent « Mais monsieur, t'es une dame ou un monsieur t'es une dame ?» Le mec dit « Non, non, avec la voix d'homme rock et sa perruque d'abruti, là, qui lui dit « Non, non, je suis une dame. » Et l'enfant, ça y est, qu'est-ce que tu te crois à 11 ans les dégâts que tu fais dans sa tête, tu vois. Et ça, on continue de le glorifier, de le magnifier, on en fait un spectacle que 2 milliards de personnes voient en se disant « Eh ben en France, c'est toutes des fiottes. » Putain, les mecs, je parle aux mecs, les mecs, réveillez-vous. Poussée dégueulante, n'ayez pas peur du ridicule. Ceux qui vont vous dire que vous êtes ridicule sont les habituels mal biaisés, hein, qui vous tombent sur le coin de la figure en essayant de trouver un petit moment de faiblesse, une aspérité. Mais ceux-là, en fait, ce sont les grands perdants de l'histoire, ce sont eux les pires victimes. Reprenez-vous en main et venez avec moi quand je vais notamment dans l'école de mon fils empêcher les gens de supprimer la fête des mères,
Putain, j'ai eu du mal à trouver des pères en colère, hein, j'en ai trouvé, mais je peux vous dire, il a fallu que je brasse hein, du contact. Donc ça serait bien que les hommes reviennent, ne serait-ce que par respect pour les femmes, en plus des enfants, hein, parce qu'au passage, quand on perd la masculinité, on fait beaucoup de mal à l'efféminité. Hein. Que je sache, les travelots humilient l'image de la femme en la caricaturant. Vous voyez, voilà, c'est dit, en une phrase, c'est terminé, problème réglé. Alors où sont les féministes qui ne voudraient pas que l'on réduise la femme à la portion congrue de son apparence ridicule, rendue grotesque par des femmes à barbe et des trucs comme ça. Mais oh, c'est bon là ! C'est bon, stop ! Tu vois ? Voilà, excusez ma colère, mais je tiens à l'assumer jusqu'au bout. Les féministes ont été créées par les mêmes qui ont créé le wokisme, le LGBTisme et compagnie. Donc c'est pas elles qui vont défendre cela. Ce sont les vraies femmes et les vrais hommes qui vont défendre. Parce qu'ils ont tout fait pour détruire la femme, la famille et l'enfant. Ben jusqu'à la maternité. Jusqu'à la maternité. Ils ont détruit jusqu'à la maternité. C'est ce qu'ils essaient de faire, en fait. Parce qu'ils n'y arriveront pas. Il faut savoir que ça correspond, tout ce qui est LGBT, tout ce qui est trans, ça correspond à 1% de la population mondiale. Donc c'est oui, voire moins. J'ai ce chiffre-là. En effet, il est contestable. C'est le chiffre, en tout cas. J'ai lu des chiffres à 0,3. Oui, c'est voilà. Ouais, donc, mais bon, je comprends que ça dépend des études. Ce qui est important de voir, c'est que ce chiffre extrêmement faible, aujourd'hui, fait la part belle dans le pays pédolande qu'est la Macronie. Et il devient d'ailleurs un potentiel de marché, hein, puisqu'il est en croissance. Oui, mais ça ne va pas durer, parce qu'il y a beaucoup de gens dont ils ne parlent pas, qui ont été opérés et qui font des procès à leurs parents parce qu'ils étaient trop jeunes. Ils commencent à parler, hein. Ils sont traités de traîtres. Et... Oui, mais ça ne marchera pas. Et qui sont et des procès aussi aux hôpitaux. Oui. Donc, il y en a énormément qui disent, mais non, finalement, on n'a pas assez aidé, on n'a pas assez, etc. Bien sûr. Des gens de 20 ans, 25 ans qui disent, j'ai été embarqué dans un délire sectaire. Même avant. Bien sûr. Aux États-Unis, il y a des mineurs encore. Des mineurs. Mais regarde, en Irlande, ils durcissent la loi. Hein. Pour adopter un enfant, il faut souscrire aux thèses sur le genrisme. D'aujourd'hui, hein, du transgenrisme, déjà, donc c'est une obligation, et vous savez qu'il y a Edmund Burke, je crois que c'est son nom, qui a été mis en taule, parce que c'est un monsieur qui est professeur en collège, je crois, au lycée, qui refuse, pardonnez mon imprécision, on vérifiera, mais qui refuse donc de colporter ses thèses, et qui vient d'être mis en prison, enfin, si vous réalisez. En Irlande, il y a un père qui s'est opposé à la transition de son fils, qui alors avait 5 ans, donc la maman vivait une espèce de névrose narcissique là, à vouloir projeter sur son fils, sa propre envie que son fils devienne une fille. Les deux ont divorcé. Le père a tenté de s'opposer à la transition. Le procès a duré 3-4 ans, pendant lesquels, évidemment, l'enfant a continué à être bousillé par une tarée qui aurait jamais dû avoir un enfant. Et il a perdu hein, devant les tribunaux. Il a perdu. Et donc, son enfant continue à transitionner. Voilà. Donc, c'est ça qui m'inquiète. Tout à l'heure, on parlait du plan du mondialisme. Ils sont en train de se doter d'un corpus, d'un arsenal législatif pour continuer à nous émasculer, puisque c'est bien de cela dont il est question concrètement. Oui, émasculé, mais je réitère aussi déféminisé, hein, puisque on ne portera plus d'enfants, puisqu'il y aura des usines à enfants, comme il y a déjà en Ukraine hein, depuis très longtemps, où tu achèteras ton gamin comme tu achètes du beurre. Je vais revenir. Je suis intimement persuadée, oui. Je vais revenir sur certains points que tu as évoqués. J'ai pris des notes. Quand tu parles, par exemple, que si on se met vraiment en colère contre eux, ils vont vraiment avoir peur, ils vont vraiment trembler, entre guillemets. Enfin, je résume un petit peu ce que tu as dit. Oui et non, ce qu'ils ont... On est nombreux à se mettre en colère. C'est pas ça qu'ils ont plus peur. Le plus peur, c'est qu'on révèle qui ils sont. Mais je pense que la colère a un potentiel décapant. Attends, j'ai pas dit que ça n'en avait pas. J'essaie juste de... Non, mais ça va contribuer à révéler qui ils sont. Non, mais je vais dans ton sens, je suis d'accord. Totalement d'accord. Il le faut, il ne faut pas lâcher prise, je réitère. Je soutiens ce que j'ai dit tout à l'heure te concernant et il faut continuer. Mais ce qu'ils n'aiment pas, c'est ça. C'est pour ça que je fais partie des gens bien qui sûr. Tentent de le détruire parce que ça ne date pas depuis le SARS-CoV-2, mais moi, c'est depuis 2013 qu'ils tentent de me détruire parce que je peux révéler qui ils sont. Avec mon métier, je sais qui ils sont. Et en plus, si j'ai des preuves, c'est encore pire. C'est pour ça que ton témoignage est si précieux d'ailleurs. Entre autres, mais surtout, c'est pour ça qu'ils ont tenté de me couic avec une fausse affaire, l'affaire d'Agen. Je pense qu'il y a une remarque à laquelle tu seras sensible, et qu'il y a des colères qu'on ne peut pas feindre. Il ne faut pas les feindre, et je voulais rebondir. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les gens, moi je l'ai vu dans une vidéo où j'ai tapé ma première colère en février dernier, les gens sont en attente de quelque chose d'authentique, et ils savent, on voit au premier regard quand quelqu'un ne feint pas les choses. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment t'expliquer, il y a un potentiel de vérité,
en plus d'une dimension éthique, potentiellement, évidemment, pas systématiquement, hein, dans la colère, pas toutes les colères. J'insiste, il y a des colères structurantes, mais il y a surtout des colères qui amènent une discussion authentique. Je vais t'expliquer, justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que j'essaye de te donner plusieurs messages, mais notamment celui de la colère. En fait, je suis absolument pour la colère, mais encore une fois, qu'elle soit justifiée, et dans tous les cas, je suis pour, parce que la colère révèle quelque chose, et c'est très important de révéler quelque chose en soi. Ce qui a en effet désautorisé de pouvoir se mettre dans un tel état, c'est le politiquement correct. Où oui. Depuis des années, on t'interdit de dire « ça, c'est pas beau », « ça, c'est pas comme ça », « le mur derrière, il est rouge », « ah non, il n'est pas rouge, il est blanc », et ainsi de suite. Non, tu te tais, il est rouge. Et donc, les gens, on les a éduqués, et là, encore une fois, on est dans une matrice manipulatoire, toujours, de toute façon, c'est un pléonasme, pour pouvoir permettre à ce que les gens rentrent dans des moules et qu'à un moment donné, ils se disent « bon, écoute, de toute façon, pour ne pas perdre mon job, pour ne pas mettre en colère quelqu'un, et puis je vais polisser, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, il faut accepter que tout le monde soit pareil, et tout le monde soit parfait, et sur la même ligne de conduite. » Un être humain est unique, il ne sera jamais l'identité, pareil que celui de l'autre côté. On ne pourra jamais, jamais, jamais rendre tous les humains pareils, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours le naturel qui reviendra au galop, dont la colère. C'est qu'à partir d'un moment donné, il y a certaines cultures qui ne vont pas… L'émotion, c'est ce qui ne ment pas. Mais moi, je préfère… Déjà, dans mon métier, quand je vois quelqu'un qui pleure ou en colère et tout, il va me révéler un ensemble de choses. Sans me le dire. Mais moi, je vais le voir. Je vais voir tout de suite. Et je vais me dire, c'est bon, parce que j'ai des informations. Je dispose d'un tas d'informations. Mais c'est vrai que la langue française, pour moi, manque de mots pour définir justement la colère. C'est-à-dire que la colère en soi, ça ne veut rien dire. Il y a plusieurs formes de colère. Voilà. C'est pour ça que je veux dire, il y a des colères structurantes et il y a des colères chaotiques. Il y a des colères qui sont l'expression d'une force et il y a des colères qui sont violence. La violence, c'est une force qu'on ne maîtrise pas. La force, c'est une violence contenue. Tu vois ce que je veux dire aussi? Bon. Et donc, il y a des colères qui sont puissantes, qui sont fortes. Il y a des colères qui sont probablement, pathologiques, chaotiques. Voilà. Bon. Petite précision, parce qu'on ne peut pas vanter la colère en soi, mais on peut essayer de sensibiliser les gens au fait que ils se sont tellement policés, on les a tellement écrasés, on les a tellement inhibés, on les a tellement aliénés à l'image d'eux-mêmes, qu'ils craignent d'exulter les émotions les plus saines. Et les seuls qui sortent, c'est les deux pieds dans l'eau, au bord de la plage, soleil couchant, ils disent « sois toi-même », parce que ça fait bien sur Instagram. On est d'accord ou pas? Et ça, c'est le seul moment d'authenticité autorisé par cette société artificielle. C'est exactement ça, mais en fait, c'est complètement faux parce qu'ils introvertissent. C'est marrant parce que on va faire une conférence avec mon énergéticien le 19 octobre dans mon petit village à côté de Cognac sur la gestion des émotions dans le réel et dans le multivers. Le multivers, c'est la partie spirituelle. Et la colère, évidemment, est une des émotions. Et en fait, quand on gère mal ces émotions, on crée un paquet de pathologies. Mais alors, c'est impressionnant ce qu'on peut créer comme pathologie. Oui, il faut l'exécuter, c'est vrai. Jusqu'à des choses très, très graves. Donc, il vaut mieux se mettre en colère. Alors après, ce n'est pas non plus de se mettre en colère tous les quatre matins. Ce n'est pas non plus de se mettre en colère parce que j'ai décidé de faire un caprice. Il faut bien expliquer aux gens. Et ça explique. Voilà. Mais par contre, ça explique un élément du profil. Hein. Ça révèle en fait des éléments du profil. Mais de la même manière qu'il faut savoir dire non. Il faut s'aimer et se respecter, voilà. Et se faire respecter. Et quand on est capable de dire « là, je ne suis pas d'accord » et on peut dire calmement ou en colère, qu'importe, on le dit et on le maintient. Moi, je fais partie de ces gens-là depuis très longtemps. Et quand j'ai envie d'envoyer péter quelqu'un, je n'ai pas de problème à le faire. Je peux le faire avec élégance, comme je peux le faire avec élégance. Parfois, la colère froide s'impose. Mais tu vois, sur Internet, je pense, eu égard à toute la petite comédie tartufesque de « à qui mieux » dans le sens de la répartie, etc. Parfois, il faut être aussi brut de décoffrage. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis « dire non », ma chère Nadine, je me permets de te rappeler cette magnifique phrase de Camus. Il dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que moi, dans ma colère, je ne suis personne. Je suis transcendé par quelque chose de collectif. Je le dis vraiment sincèrement. Je suis porté par une colère que d'autres ne peuvent pas exprimer. Et il y a un « nous » dans ce jeu. Tu vois, quand je n'en peux plus de ce que je vois sur les enfants, je ne pense pas qu'à mon enfant, mais à l'enfance. Tu vois, je ne pense pas qu'à moi comme père, je pense à tous les pères. Je ne pense même pas qu'aux pères, je pense à toutes les mères. Je pense à tous ces gens qu'on humilie. Donc oui, dans une forme de colère, il y a le « nous » qui est salvateur et qui est tout sauf narcissique, justement. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette possibilité de dire « stop, ça devient trop ». Il y a eu le SRAS-CoV-2 où nous-mêmes, les gens qui étaient critiqués, aujourd'hui, les purs sang,
on est presque envié parce que nous, on aura beaucoup moins de problèmes que ceux qui sont picousés. Et dans l'enfance, il y a aussi ces fameux 11 vaccins qui vont passer, je crois, à 15 l'année prochaine, où c'est le pire pays au monde de vaccins pour des petits bouchons. Mais bon sang, mais trouver des médecins, je le dis publiquement, mais trouvez ça, débrouillez-vous, ou alors gardez les enfants à la maison, ne mettez pas en crèche. Mais tout a été fait aussi pour dénaturer là-dessus. On va me crier comme une avant-garde, une arriérée, une bonne sœur, j'en ai rien à taper. Moi, je préfère être comme ça et que dans 10 ans, on me dise j'avais raison, plutôt que de passer pour un espèce de truc moderne et je ne sais quoi, et puis détruire l'humanité. Parce qu'on m'a parfois... Et affaiblir le système immunitaire pour créer de nouvelles formes d'aliénation. Hein. Exemple, mais on m'a souvent traité, moi je me rappelle qu'il y a des gens qui m'ont traité d'arriéré, je dis écoutez, j'ai un métier qui a plus de 150 ans de retard en France, si j'étais arriéré, ça se saurait quand même. J'ai développé des théories scientifiques où il y a des gens, ils rament encore, ils n'arrivent pas toujours à arriver à mon niveau. Alors s'il vous plaît, non, faites attention, je veux bien admettre que je suis peut-être un petit peu, entre guillemets, conservatrice, entre guillemets, mais pour l'humain, je le suis beaucoup, sachant qu'on accepte tout type de vie à partir du moment où on ne fait pas du mal aux autres. Or là, on fait du mal, je réitère, à la famille, la femme et les enfants. Les enfants ne peuvent pas se défendre. C'est à nous de leur apporter le maximum de protection et de les guider au maximum pour qu'ils soient autonomes et heureux dans leur développement et dans leur avenir. Ce n'est pas avec des vaccins qu'on peut y arriver alors qu'ils ont leur propre immunité et que si la maman allait, en plus, elle donne une très bonne immunité pour le bébé, à condition bien évidemment qu'elle se nourrisse bien et qu'elle ne soit pas picousée elle-même. Parce que ça, on a vu aussi les dégâts que ça faisait. Et c'est du bon sens, c'est que du bon sens. Mais on a tellement obligé la femme à aller travailler. Je ne suis pas contre la femme qui travaille, attention. Mais on a dénaturé la famille où la femme pouvait aussi rester à la maison. C'est un travail que de rester à la maison et d'élever ses enfants et d'entretenir son foyer. Mais c'est tellement vital parce que vos gamins, ils ne restent pas dans la télé, vos gamins, ils ne traînent pas dans la rue et vos gamins, ils ne vont pas aller voir quelqu'un d'autre pour s'épancher sur leur vie parce que vous ne les écoutez plus, vos parents. Et j'en sais aussi quelque chose et je l'entends ça à droite et à gauche. On a déstructuré tout cela. Bien sûr qu'il faut le moyen, mais c'est le capitalisme était super content. Ça fait 2 revenus de plus, beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus d'effrayés, etc. Et la famille, basta, elle traîne dans la rue. Et je le dis franchement, ouvertement. Je vais passer. Oui, bien sûr. Il faut. Mais je le dis. Et je vois des jeunes hommes aujourd'hui, dont mon propre fils, et je ne lui ai jamais rien dit. Des jeunes hommes qui disent, nous, on veut une femme, mais si elle veut travailler un petit peu, si elle veut ses moments de libre, tout ça, pas de problème, mais elle reste s'occuper du foyer, de la famille, de l'éducation des enfants. Et on lui donnera tout. Alors, si tu permets, je voudrais aussi te dire les belles rencontres qu'ont suscité des instants de vérité et d'authenticité, et notamment sur le thème de la colère, pas mal de gens avec qui j'ai interagi sur X ont un peu philosophé là-dessus, parce que c'est une sacrément bonne question que de chercher à savoir dans quelle mesure notre colère est saine. Et il y a 2 choses. La première, c'est un proverbe de Colombie qu'on m'a donné à ce moment-là. On m'a dit « Un peuple doit apprendre la colère pour vaincre un ennemi brutal. » Magnifique, ça. Doit apprendre… Dans notre cas, je pense qu'on doit réapprendre la colère pour vaincre un ennemi brutal. Ouais. Et un petit peu plus long, si Stéphanie m'autorise, je voudrais lire un texte que par hasard, justement, qui est court, hein, mais c'est pas juste une simple citation, de Stéphane Schillinger, que je ne connaissais pas. Je trouvais ce texte très beau, écoutez. Il dit « Peut-être faudrait-il avoir visité sa colère la plus noire et s'être observé dans la furie la plus destructrice et à ce moment précis, oser se rencontrer vraiment soi-même, à cet endroit, hors des limites de l'acceptable. Se recevoir soi-même à l'endroit exact d'une insupportable souffrance, ce lieu de blessure mortelle que cette colère protège. S'autoriser à être témoin de l'intelligence du vivant qui circule à cet endroit » et alimente cette frénésie reptilienne au point de déchaîner un dernier souffle de vie pour protéger ce qui peut l'être encore. Peut-être que si l'on est capable de se rencontrer soi-même à cet endroit-là, avec l'amour suffisant pour se recevoir et s'accepter dans ce désespoir fulminant, peut-être alors nous pourrions un jour accéder à ce grand amour, avec un A majuscule, qui implique de pouvoir entièrement recevoir l'autre dans sa colère la plus irrationnelle et pouvoir poser sa main à cet endroit écorché, à vif, qui est justement aussi le nôtre. Je trouve ça magnifique. C'est l'acceptation de la colère de l'autre dans l'acceptation de sa colère à soi. On revient à ce que je disais, c'est ce que j'ai compris hein, tout à l'heure, c'est que le fameux nous, mais le fameux nous différent. Le fameux nous différent est uni au regard de ce que nous qui cherche à se désaliéner. C'est ça. Qui est en train de se débattre pour se débarrasser de ses chaînes. C'est
cette situation que l'on vit aujourd'hui est pour moi fantastique, parce que moi, je ne suis pas du tout dans la colère de ce qui se passe, même si je reste toujours dans le combat, très actif, et parfois même plutôt secret. J'aime beaucoup cette période quelque part, parce que ça fait des années que moi, j'en avais ras-le-bol de ce qui se passe. Je fais partie de ces gens-là qui, je suis un peu plus âgée que vous deux, et qui en avaient marre de tous ces faux-semblants, de tous ces moqueries, de tous ces mensonges, de ces injustices diverses et variées, où c'était toujours le bien qui perdait, plus ou moins, et qu'on on transcendait, on déifiait même quelque part certaines pourritures ou le mal, ou des choses qui n'avaient aucun sens. Là, tout se brise, tout s'expose et se brise à la fois. Et là, je me dis, c'est excellent. Et ça ne peut pas tenir, ça ne pourra pas tenir, parce qu'il y a une telle de déploiement exponentiel à l'extérieur de la France. Parce que nous, on est le nid et on sera le dernier à tomber. Mais le jour où on tombe, c'est que l'espace-terre est libéré. Donc, c'est nous qu'allons le plus prendre. C'est nous. Depuis le début, je le dis, mais je ne suis pas la seule. Hein. Je ne suis pas la seule à le penser. Depuis le début, je le dis. Et que quand on sera vraiment libéré, on redeviendra enfin un exemple. Et il va falloir relever les manches, il va falloir sortir sa colère, il va falloir sortir ses tripes, il va falloir mettre tout sur la table et y aller au galop, parce qu'on est vraiment devenu mauvais, mauvais en énormément de points, et y compris cette notion d'intellectualisation, cette notion de discernement, cette notion de... On s'est laissé embarquer dans une sorte de débats sophistiques sans fin, ou cette espèce d'héristique d'intello sur les plateaux, etc. Et en fait, c'est ça qui nous garde sous une espèce de chape de plomb maléfique, qui nous empêche en fait de laisser triompher l'élan vital le plus élémentaire et le plus protecteur de la vie, à tel point maintenant que voilà, on ne se reproduit plus, on a l'explosion des taux de dépression chez les jeunes, consommation de barbituriques, antidépresseurs. Les 12-25 ans ont vu leur consommation d'antidépresseurs augmenter cette année de 60%. Hein. 60%. On dit que c'est des victimes du Covid et tout, mais pas que. C'est Big Pharma qui doit être content, puisque c'était leur truc, hein, c'est ce qu'ils voulaient. Donc bien sûr, bien sûr. Mais je ne savais pas pour ces chiffres. C'est dommage pour la jeunesse, parce que notre jeunesse là, du Covid, elle est détruite. Je ne sais pas combien de pourcents, mais un très fort taux. Elle est abîmée, elle n'est pas. Elle peut. On va la sauver, mais elle est bien abîmée. Quelque chose, hein. Je ne suis pas sûre qu'on en sorte quelque chose de ce que je vois. Dans les comportements, dans les attitudes, dans les propos, où la seule chose qu'on entend, c'est des onomatopées vulgaires, où tu n'arrives pas à avoir le décodeur pour comprendre vraiment ce qu'il voulait dire. C'est quand même assez grave. Tu essaies de dire, écoute, excusez-moi, vous pourriez peut-être pousser votre scooter ou votre mobylette ou votre moto, ou j'en sais rien, parce que là, vous prenez deux places, va-t-eux, enfin, tu entends des trucs, bon, alors, ok, d'accord. Alors, je t'ai quand même... Ça, c'est largement antérieur au Covid. Oui. Non, mais là, ça s'est amplifié. Pour moi, ça s'est amplifié. Et là, tu te dis, franchement, ouais, attends, mais là, non, quoi. Enfin, on ne peut même pas avoir de dialogue, on ne peut même pas avoir de discours. Et au-delà de ça, tu as d'autres jeunes extraordinaires. Mais vraiment, là, tu te dis, mais tu sais pourquoi tu te bats, qui ont compris beaucoup de choses, qui apprennent, qui s'enrichissent, qui se battent, qui combattent, qui souffrent aussi, qui souffrent terriblement parce qu'ils n'ont pas une vision d'avenir. Il faut leur expliquer toutes ces choses-là, qui restent célibataires, parce que le célibat est très compliqué aujourd'hui. Trouver l'âme sœur, d'être dans une culture de chercher l'amour dans une société où l'amour est complètement prohibé, où on couche à tout va et on change de sexe, on fait n'importe quoi, c'est une orgie totale pour des gens romantiques qui veulent vraiment construire quelque chose de sain, etc. C'est super compliqué, qui plus est avec des personnes non picousées. C'est ultra compliqué, ça, alors que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Mais c'est surtout qu'on a maintenant consumérisé l'amour, quoi, hein. C'est l'amour d'une sorte de cellophane numérique, hein, Tinder, les sites de rencontres, etc. Et quelque part, ils ont changé la donne. Il y avait peut-être une forme, une quête de fluidité, de promotion de la rencontre. Il y avait peut-être quelque chose de pas forcément mauvais, et peut-être que ceux qui en font bon usage tirent leur épingle du jeu, j'ose l'espérer. Mais il y a aussi une sorte de factorisation. Hein, on voit notamment des jeunes se vanter d'accumuler les conquêtes, etc. Et tout ça crée l'embarras du choix qui amène des formes d'insatisfaction
et des formes de quête qui ressemblent à l'hubris hein, de la toute-puissance, parce qu'on peut tout faire grâce à ce solutionnisme numérique hein, qui raccourcit toujours les délais, la rencontre, etc. Et puis qui nous passe même maintenant des préliminaires, parce qu'on peut immédiatement en ligne partager ces fantasmes. Vous avez des sites où c'est les fantasmes qui font que les gens se rencontrent, puis hop, ils vont réaliser leurs fantasmes en se rencontrant sans rien dire. Et quelque part, ils tuent, en offrant trop vite la destination, ils tuent la beauté du cheminement, quoi. C'est passer de l'érotisme et de la beauté de la rencontre à la pornographie. Ça me fait penser justement à 1984. Tout le monde parle de 1984, personne ne l'a lu. Mais le plus beau passage de 1984, c'est quand le héros réapprend l'amour avec l'héroïne et qu'il se donne rendez-vous dans une forêt et qu'il dit en substance cette phrase qui m'a marqué à vie, justement, je l'ai trouvée très belle. Elle le rejoint, donc ils doivent se cacher hein, pour s'aimer, puisque Big Brother est partout. Hein, donc il ne faut pas qu'il montre qu'il s'aime, sinon il présente une faille hein, devant le système qui va pouvoir l'exploiter. Et donc elle porte un manteau, elle est nue en dessous pour qu'il puisse se retrouver, faire l'amour derrière un buisson, on suppose. Et il dit que lorsqu'elle fait tomber son manteau, il avait l'impression qu'elle détruisait d'un simple geste toute une civilisation. Magnifique, non ? Donc oui. Ça veut bien dire que l'amour est aussi ce qui nous transcende suffisamment pour pouvoir nous désaliéner d'une pression sociale dans laquelle on investit toutes nos pulsions et dans laquelle elles sont canalisées et dans laquelle elles sont marchandisées. Les jeunes filles qui parlent dans les documentaires sur Arte qui disent « j'ai l'impression d'être un produit à l'étalage » quand elles parlent des sites de rencontres, c'est choquant. Elles te parlent pas, que je sache, elles te parlent rarement de spiritualité et de rencontres intellectuelles. Moi, j'aurais eu espoir il y a 20 ans quand je voyais ça émerger. Je me disais peut-être qu'on va faire renaître les liaisons vachement dangereuses de Roderlos de Laclos avec la liaison épistolaire. Et peut-être, tant pis, s'il y a un petit côté un peu pervers, mais au moins il y aura un prétexte littéraire, etc. Peut-être que certaines personnes se sont vraiment remises à écrire, d'ailleurs, tant mieux. Mais je pense que la plupart sont maintenant dans Tinder, c'est-à-dire l'impulsion. On a supprimé le texte. Vous savez qu'il va sortir une version de Tinder qui a été expérimentée, dans laquelle la watch, hein, la montre connectée, perçoit tes battements de cœur, donc une augmentation de ton rythme cardiaque quand une personne te plaît, donc tu n'as même plus besoin d'appuyer. C'est-à-dire, c'est la montre qui dit « Ok, cette personne-là, elle t'a plu au premier regard, donc je lui envoie quelque chose. » Bon, c'est expérimental, c'est rigolo, c'est un peu une blague, mais il y a une part de vérité là-dedans qui va arriver. Nous sommes dépossédés de nous-mêmes et nous sommes dépossédés du mérite que nous avions jusqu'ici appris, c'est-à-dire dans la construction, dans l'élaboration de quelque chose. Et dans l'élaboration, dans le cheminement, dans la quête, il y a la trouvaille. Là, on te vend tout de suite la destination comme une fin en soi. De fait, on obsède les jeunes êtres humains, ces jeunes bipèdes fragiles que nous avons tous été et que nous sommes encore, mais encore plus fragiles, plus jeunes. On les obsède avec des critères de performance qui les aliènent. C'est-à-dire que vous avez la critique du malaise dans la civilisation de Freud par Herbert Marcuse. Est complexe à lire, mais qui a une thèse passionnante et qui explique que dans l'apparence de désaliénation qu'est la libération sexuelle, il y a une forme d'aliénation beaucoup plus sournoise, qui est que les jeunes regardant en gros la pornographie qui était censée les désaliéner d'une société bigote, eh bien, les rend paradoxalement beaucoup plus dépendants de l'angoisse de n'être pas suffisamment performant et donc de ne pas s'être suffisamment conformé. Et chose dramatique, Ils se sont affranchis de certaines formes d'interdits en banalisant la transgression, ce qui fait qu'ils sont toujours obligés de pousser plus loin les limites de la transgression. Et la transgression passe souvent par la domination de l'autre. Hein, suivez mon regard et plein de choses qu'on voit en ce moment. Voilà. Et donc, on a complètement perverti la transgression, ce qui est quand même un comble, puisque dans ce qu'elle avait d'intéressant quant aux fruits défendus, c'était qu'elle nous rendait peut-être créatifs, quoi. Maintenant, elle enferme, en fait, hein, les jeunes dans cette dépendance à ce que j'appelais, c'est pas moi qui ai créé le terme, solutionnisme numérique, qui a été créé par le terme a été forgé par un sociologue. Donc, voilà, ce n'est plus une quête spirituelle, ce n'est plus la découverte de l'autre, c'est le dépassement de ses propres critères de performance. Ça devient un défi sportif. De plus en plus inquiétant, parce que c'est pas seulement sportif, malheureusement, hein. C'est le triomphe du quant à soi dans sa version hyper égocentrée, orientée sur ses propres petits fantasmes, etc. Et c'est comme ça, en fait, de fil en aiguille, que tu crées une société où les gens sont tellement épuisés de tout ce qu'on leur a permis de transgresser, paradoxalement, que s'ils ont une névrose à faire éclore dans un comportement, bah maintenant ils vont aller jusqu'à dire bah, je veux redevenir un bébé. Donc vous avez des vidéos qui circulent, on voit des gens qui redeviennent des bébés,
Donc, ils ont le fantasme de porter des couches et de se faire dessus. Vous avez des gens qui ont le fantasme d'être des animaux, etc. Parce que, il y a une sorte de frontière de performance dans la transgression qu'on est obligé de repousser toujours plus loin par ennui, par excès d'oisiveté. C'est quand même triste, quoi. Tu vois ? Voilà. Par ennui, c'est simplement pour faire le buzz la plupart du temps. Le buzz, bien sûr. Ça m'intéresse. Je sers à rien, je me sens inutile et il faut que je me sente intéressant, donc je vais faire du n'importe quoi. Ou parfois, je suis payée pour faire du n'importe quoi. Ce que tu expliques là, c'est l'une de mes théories scientifiques qui s'appelle l'avatarisation. Ah oui, oulala, oui. Voilà. Oui, génial. Et ce que j'ai créé en 2012, ouais, on est en 2024. Publié en 2015 dans la première version de mon livre Net Profiling, comment appréhender les cybercriminels, et après qui a fait l'objet de X publications scientifiques aux États-Unis. Donc cette avatarisation qui fait partie de mes travaux de recherche sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel, met en évidence que l'outil connecté autorise à faire un ensemble de choses que tu ne ferais pas dans le réel. Parce tu que peux le tester des versions de toi-même, quoi. Alors, en fait, tu peux dupliquer et modifier tes comportements parce que tu estimes que tu es caché derrière l'écran. Il faut savoir qu'au début du virtuel, tu n'avais pas les visios comme là on a. Donc, on pouvait mieux se masquer, se cacher et tricher en mettant, par exemple, alors il n'y avait pas Tinder, il y avait Mythic, puisque j'ai étudié cette théorie sur des copines sur Mythic. Alors, j'ai joué au jeu aussi, d'ailleurs, à une époque, mais très vite, j'ai arrêté parce que j'ai bien vu que c'est beaucoup de mensonges. Et je parle dans mon livre d'un exemple d'une fille, une de mes copines qui avait flashé sur une photo. C'est vrai, quand on l'a vu, il faisait vraiment beau gosse. Et quand elle s'est rendue au rendez-vous, donc le stress, tu vois, les palpitations, tout ça dont on parle sur Tinder, quelle robe choisir, ceci, cela. Et le monsieur romantique disait, j'aurais un bouquet de violettes, on s'attend à tel bar, un truc assez select. Et elle a fait le tour du bar trois fois. Elle l'a fait trois fois et c'était quand elle a vu les violettes qu'elle a compris que l'homme était là. Mais ce n'était pas le même de la photo. C'était pas le même. Et donc, c'est là que ça a commencé, ces travaux de recherche. C'est de mettre en évidence cette notion de tricherie et de prendre goût à cette tricherie. D'une consommation de sentiments au travers le « moi, qu'est-ce que je veux projeter de moi pour obtenir quelque chose de l'autre ?» Et obtenir un maximum d'éléments de l'autre de façon à ce que derrière, je valorise mon ego et mes envies et mes désirs. Mais quand je vois l'autre en vrai, ce n'est pas forcément la même chose, puisque moi-même, je me suis trompée sur ma façon de me présenter. Je n'ai pas été objectif et donc dans l'amour de soi, parce que quand on est dans l'amour de soi, on est forcément objectif de qui on est. Et donc, en face, ben, je me trompe aussi sur ce que j'obtiens. Donc, ça matchait plus ou moins. Il y a des couples qui ont réussi en se créant sur les réseaux sociaux, qui fonctionnent très bien, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui vont très bien. Ça arrive. Mais il n'y en a pas autant que le nombre d'inscrits. Le pourcentage est extrêmement faible. Donc, c'est devenu après une consommation du sexe. Et une consommation du sexe en se disant, il y en a tellement... Voire une consommation de l'autre dont on néglige la psyché et qui est objectisée, quoi, qui est réifiée par la... C'est juste lié, je veux dire, je consomme histoire d'avoir une relation sexuelle et de me dire, je ne suis pas célibataire et j'ai un date tous les soirs ou pratiquement tous les week-ends, ou peu importe. Mais en tout cas, j'ai un rythme qui me dit... Je suis pas tout oui, mais l'autre est un sextoy, c'est bien ce que tu es en train de nous dire. Comment ? L'autre est un sextoy. Hein. Je me masturbe sur la présence de l'autre qui est occasionnellement celui-là ou celle-là ce soir. Demain, ça sera un autre. C'est ça, mais c'est surtout pour se donner une contenance de « je ne suis pas vraiment célibataire et je suis encore désiré, désirable et je suis encore, je peux encore attirer, je peux encore avoir un rythme dit de rendez-vous de ci et là, même si c'est futile, il y aura le dessert après ». Tu vois, c'est toutes ces choses-là. Il y a ce que j'aime bien, c'est que c'est un jeu fantasmé dans ce que tu dis. C'est-à-dire, on dirait quelqu'un qui est en train de dessiner son autoportrait idéalisé, quoi. Non. C'est pas du tout. Non, en plus, je suis une grande romantique, donc ça. Mais tu vois, c'est. Non, mais je parle pas de. Je dis. Non, mais je parlais pas de toi. T'avais compris ou pas? Justement, ce que tu décris très bien, c'est que ceux qui rentrent dans ce fantasme fabriquent leur autoportrait. Oui, c'est ça. Mais c'est. Ce ah non, mais je... Dans cette théorie, c'est plus général, plus généraliste. Oui, ouais, il y a une confusion en fait. Ah ouais, non, méga confusion, parce que justement, je disais justement, dans ce que tu dis, on entend bien que l'avatar ainsi fantasmé voilà. Devient
la personnalité prépondérante voilà. vient le moi prépondérant. Je ne voilà. sais pas si tu te rappelles de la réflexion de Montaigne qui parlait du moi. Montaigne disait, il y a un moi du matin avec mon domestique, il y a un moi à la cour du roi, il y a un, roi avec mon, un moi avec mon meilleur ami, je crois, Bossuet, etc. Et en fait, il dit, où est le véritable moi? Donc le moi est le fruit d'une sorte de kaléidoscope complexe de tout, justement, avant que tu n'emploies le terme plus techniquement de l'époque, il parle des différents avatars de soi en fonction des contextes dans lesquels on se trouve. Mais ouais. Ce à quoi je réagissais, c'était pas sur toi, parce que je te connais pas, mais ce que je veux dire, qui était très bien amené, et je n'ai aucun doute sur le fait que tu sois un peu plus forcément romantique que ces gens-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ouais. non, c'est que justement, ce que tu amènes très bien, c'est que ce sont des gens qui se forgent une image sociale dont ils deviennent l'ombre. Ils deviennent l'ombre de leur propre image. C'est plus que ça, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ils rêvent dans un rythme qu'ils se créent à l'aide de l'Internet, de l'outil connecté, en utilisant des êtres humains en face, qu'ils considèrent en effet comme des jouets, donc des avatars aussi. On est d'avatar à avatar dans le réel. Et ils développent ça en voyant le pouvoir que ça leur procure, le bien-être que ça leur procure, pour générer une sorte d'existence qui n'en est pas une. D'où la consommation sexuelle qui s'est accrue. Comme on va chez McDo, entre guillemets, parce que je ne peux pas comparer ça à un grand restaurant 5 étoiles, hein. Donc, ou même un 3 étoiles ou un étoile, mais un restaurant digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on consomme et en plus, on échange des performances. Et plus les réseaux sociaux se sont instaurés, plus les éléments se sont mis en place. Donc, ça a complètement perdu la notion justement du romantisme, de la découverte, des premiers mots, des premiers émois, des premiers rendez-vous, des comment je vais m'habiller, des ceci et cela, et de prendre le temps avant de l'acte sexuel pour voir si c'est vraiment la bonne personne, si on a vraiment envie de... Justement, ce n'est plus un acte sexuel dans ce que tu décris quand on prend le temps. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour. C'est une rencontre. Exactement. Les gens ont beaucoup de relations, mais ne rencontrent plus personne. Voilà, c'est ça. C'est l'acte d'amour de s'offrir pour la femme à l'homme choisi. Alors, je peux te donner la version la plus cauchemardesque de ce que tu décris. C'est une gamine, je vais dire ça entre guillemets pour démarrer, en italique, prudemment, qui doit avoir 15-16 ans, qui est avec son petit copain, qui est un ado du même âge. Elle se filme en live. Et dans le live, la grande question qu'elle pose à sa communauté, c'est « Alors, je lui dis ou je ne lui dis pas ?» Je lui dis ou je ne lui dis pas. Alors, tu vois à côté d'elle un jeune homme qui a l'air très amoureux. Hein, ils sont posés dans un petit resto ou un bar, je ne sais pas, il lui commande à boire, il lui donne, il est là au petit soin de sa vie. Je lui dis ou je ne lui dis pas. Et en fait, qu'est-ce qu'elle doit décider de lui dire avec l'assentiment de sa communauté ? Bien qu'elle n'est pas une fille, qu'elle est un mec. Donc maintenant, en fait, à propos d'avatarisation, je voudrais souligner le caractère extrêmement pervers de la chose qui est systématiquement négligée dans les discussions. C'est que quand ce gamin va avoir son premier acte, peut-être pour lui, d'amour, fruit d'une patience et d'un long cheminement de séduction avec cette gamine qui est en fait un gamin, probablement perverti par des parents plus tarés les uns que les autres. Désolé pour ceux qui vont croire que je suis transphobe, je m'en tamponne et je leur fais un petit clin d'œil amical au passage. Allez-y, lâchez-vous les trolls, je vous emmerde comme d'habitude. Et je vais terminer mon propos. La pourriture n'est pas celui qui vous dit ça et qui vous explique le schéma. Non, la pourriture, c'est tout ce monde qui permet qu'une fausse jeune fille sorte sa bite devant ce gamin de 14, 15 ou 16 ans, le jour où il se mettra à nu, croyant enfin rencontrer l'amour. C'est la version la plus abjecte de la transmania. C'est la tromperie des plus naïfs. Ce sont les enfants dont on va détruire la psyché. Ça, c'est catastrophique. Parce que ce gamin-là peut devenir tout l'opposé après, complètement violent et ne plus jamais faire sa vie ou quoi que ce soit, n'aura plus jamais confiance aux femmes. C'est catastrophique. Et il ne faut malheureusement pas rentrer dans ce genre de raccourci après, parce qu'on s'est fait avoir une fois par quelqu'un qui est malsain. Je ne suis pas transforme, mais des fois, je me demande si je commence pas à le devenir tellement il nous fatigue. Hein. Moi, je ne me pose pas la question de savoir si je suis transphobe. Les trans, dans une écrasante majorité, en dehors de ceux qui souffrent vraiment d'une dysphorie et qui est rarissime et qui ne se posent même pas la question du rapport à l'autre parce qu'ils sont dans une souffrance intime qui ne nous regarde pas. Oui, il y a à côté de ça une transmania qui est purement idéologique et dans laquelle il y a une hétérophobie, une haine de ce que nous sommes, qui est forcément le fruit de tout un tas de souffrances accumulées qu'on ne peut que plaindre.
Sauf que je n'ai plus aucune compassion parce que c'est devenu une idéologie. Et que maintenant, je lutte contre une idéologie et non pas contre les gens. Alors évidemment, les habituels, les imbéciles vont croire que je déteste les gens ou vont faire croire que je déteste les gens. Je ne déteste pas les gens. Moi, je suis comme toi, tu fais un effort sur les idées. Ce contre quoi l'on doit lutter, c'est cette idéologie qui, détruit. Qui lave de toute culpabilité les gamins qui, trans, vont tromper d'autres gamins. Déjà, pour commencer, ils vont détruire des vies. Ils vont humilier d'autres gamins. Enfin, peut-être pas les détruire, je ne souhaite pas. Hein. Je ne veux pas non plus. Mais je pense que quand même, excusez-moi de parler avec mon bon sens, mais je crois qu'il y a des enfants que ça va détruire ou que ça a déjà commencé à détruire. Voilà. Et ça, c'est impardonnable. Parce que ça, c'est au nom d'une idéologie qu'on le laisse faire. Vous voyez, là, on n'est plus dans l'intime, la sphère hautement respectable de ceux qui souffrent et méritent notre compassion. On est dans d'autres choses. Non, je suis 200% d'accord avec toi. Et c'est terrible ce qui se passe parce qu'on est vraiment dans une destruction de l'humanité. Quand il va falloir laver tout ça après, ça va... En tout cas, je voulais vous dire avant de conclure tous les deux, je pense que vous étiez faits pour vous rencontrer intellectuellement, spirituellement. C'est très dynamique, hein. Merci à Nadine. Après, je serais me taire et vous laisser ensemble. C'était vraiment très beau. On va conclure bientôt. J'aurais aimé peut-être. Pour moi-même, je dois y aller. Je dois me lever tôt demain. Fred, je suis au stade où ça y est, j'ai plus de voix, j'ai trop gueulé. Est-ce que tu as deux mots à dire sur le pic où on se revoit pour reparler du fameux pic sur lequel je voulais... Ça peut être bien qu'on se revoie pour en parler. Je n'aurai que quelques phrases hyper simples. C'est que le pari de l'intelligence collective, c'est l'inverse du défaitisme, du recentrage égocentrique sur soi. Hein. Je mets de l'intelligence, je mets du collectif et je mets un pari. Le pari étant évidemment incertain. Mais à cette incertitude qui fait l'objet d'un pari, j'oppose la certitude de mal finir tout seul. Et donc, le pari de l'intelligence collective, c'est de dire ce n'est pas parce qu'on est en collectif qu'on est intelligent non plus. Attention, c'est absolument pas sûr. Ce n'est pas parce qu'on est en collectif qu'on est tous au même niveau. Non, moi, je parle de diversité cognitive. Je parle du fait que la moyenne des QI des gens est généralement, le QI d'un collectif, excusez-moi, je reprends, le QI d'un collectif est supérieur à la moyenne des QI. Ça a été constaté par des psychosociologues qui l'ont étudié hyper sérieusement. Donc, quand on arrive à créer de la diversité à tous les niveaux, hein, que ce soit justement sur les thèmes même qu'on a abordés, hein, du genre, la diversité sexuelle, la diversité idéologique, ça marche. Et mon mouvement consiste à dire « Ah, mais moi, je veux pas savoir, c'est d'accord avec moi. » En fait, j'aurais tendance à priser dans ce mouvement d'avoir mes pires ennemis idéologiques. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de promouvoir une idéologie, c'est avec mes pires ennemis, vraiment les pires, hein, ceux qui me détestent le plus, c'est ceux dont je déteste les idées, pour se mettre d'accord, pour poursuivre le débat sur un ring démocratique, enfin lavé de toutes les instrumentalisations, de toutes les ingénieries, et si possible, donc pour simplifier, un logiciel démocratique fonctionnel, puisqu'il n'existe pas, il n'a quasiment jamais été mis en œuvre. Par contre, je crois que nous avons atteint un niveau, justement, où la technologie, dans ce qu'elle a de toxique, peut aussi être retournée hyper positivement et vertueusement à notre avantage. Je pense notamment à la blockchain et à tout ce qu'on appelle les contrats intelligents et les traces consolidées dans la blockchain qui permettraient de faire une autre forme de démocratie. Et il y a des gens très experts qui en parlent infiniment mieux que moi d'ailleurs, mais qui sont capables d'amener des preuves de la chose. Bon, ce n'est qu'un exemple. Mais donc la technologie n'est pas mauvaise en soi. Jusqu'ici, elle a été justement détournée à des fins maléfiques, évidemment. Et comme je le disais tout à l'heure, un très bon exemple dans les réseaux sociaux, c'est qu'en effet, on est attaqué par des tactiques dites d'astroturfing, hein, c'est-à-dire des fausses foules faussement remontées contre toi qui viennent te troller, etc. On sait que souvent, c'est des robots. Donc, c'est le côté évidemment navrant de ces réseaux. Mais en même temps, je peux vous citer des dizaines et des dizaines de rencontres IRL, comme on dit, hein, in real life, dans la vie réelle, que j'ai mis un point d'honneur à vivre. Hein, ça commence par un petit café, un petit hello, un petit coucou avec des gens. D'ailleurs, comme vous voyez, c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça. Ce sera plus facile de se rencontrer après. Donc, c'est des intermédiaires vers la vraie vie où là, on voit bien que la technologie est bien utilisée. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, il y a beaucoup, en effet, de technologie dans notre riposte parce que ce qui cause beaucoup de mal à l'échelle de l'humanité, c'est l'usage qu'on fait des dites technologies. Et je pense que la riposte passe par une maîtrise de la technologie. Et pour ce qui est du logiciel démocratique, il est possible de décider d'inscrire à la Charte des droits de l'homme, qui est un petit peu dépassée, la Charte des droits de l'homme, parce qu'à l'époque où on l'a écrite, on ne savait pas qu'on pourrait manipuler les consciences à l'aide d'ingénierie sociale. En tout cas, on le faisait peut-être
confusément dans ce qu'on appelle les intrigues. Et comme disait Richelieu, il fallait être fou pour voir des complots partout, mais il fallait l'être encore plus pour n'en voir nulle part. Bon, donc les complots, ça a toujours existé, les manipulations, ça a toujours existé. Mais là, elles ont atteint un niveau industriel. Et on peut donc, et il est de notre devoir, d'inscrire à la charte des droits de l'homme, et à minima dans une nouvelle constitution, l'impossibilité absolue de pratiquer des ingénieries sociales et de porter atteinte à notre intégrité psychique. Et ça fera plaisir à Nadine et à tous ces combats que j'accompagne depuis longtemps en les suivant, c'est qu'il faut aussi mettre un frein définitif à toutes les atteintes à notre intégrité biologique. Et oui, donc tout ça, en fait, vous voyez, la charte des droits de l'homme nécessite une mise à jour et qui n'est pas celle consistant à promouvoir le transgenrisme, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et d'abord, notre intégrité psychique. Et donc, je pense qu'il est notamment possible, en tout cas nécessaire, de criminaliser les manipulations mentales. Alors, pour information, ce n'est pas délirant, puisque ça a été un projet de transformation de la constitution chilienne qui a été porté en septembre 2021, ou 2022, je me trompe peut-être d'une année, mais je crois que c'est 2021. Pour tout un tas de raisons, le projet a été enrayé au moment où il a fait l'objet de communications mondiales, hein, par des communiqués de presse. C'était assez flagrant que c'était possible de le faire. Je dirais, l'état profond s'en est mêlé, a enrayé le truc. On peut suivre un peu l'histoire sur Wikipédia. Et je trouvais très intéressant, et d'ailleurs, non, navrant même que ça ne soit pas la France qui fasse ça en premier, mais en tout cas, très intéressant qu'un petit pays, voilà, un petit pays qui n'est pas forcément perçu historiquement comme le phare dans l'humanité, enfin dans les droits de l'homme, etc., prenne cette initiative. Honte à nous, hein, occidentaux si arrogants, de ne pas avoir pris cette initiative-là. Et je pense que le Chili et ceux qui ont porté ce projet ont été incroyablement humanistes et courageux, parce que si tant est qu'on veuille à un moment donné recréer du bon sens, retrouver même, je parlais du combat politique en disant dans le PIC, je veux mes pires ennemis idéologiques, je le pense sincèrement. Parce que je crois que dans la rencontre dialectique, il y a une jubilation créative dont nous avons été privés. On nous a confisqué le plaisir d'être les start-upers de nos initiatives citoyennes et politiques, si vous voyez ce que je veux dire, au sens, évidemment, je fais exprès, je force un peu le trait pour dire que ça peut être amusant, stimulant intellectuellement, une belle aventure humaine. On nous en a privés parce que c'est tout simplement inaccessible, parce que le jeu est vicié depuis le départ. Eh bien, je prétends que l'on peut créer un candidat dit constitutionnel qui, lorsqu'il est élu à la présidence, dit « Écoutez, moi, élu, le lendemain, je rends le pouvoir, on refond la Constitution, mais voilà les 10-12 points clés sur la base desquels on aura une Constitution temporaire dans laquelle c'est terminé. On pulvérise la caste médiatique et ses manipulations, on criminalise les ingénieries sociales et on recrée justement le logiciel démocratique avec des bases saines qui ont été d'ailleurs pas seulement théorisées, mais expérimentées par des gens qui sont très bons dans ce domaine-là. » Et donc, voilà le projet du PIC. C'est de dire, on va hacker le système, pour prendre un terme à la mode, mais il n'y a pas vraiment de mot en français équivalent. On va en tout cas essayer d'entourlouper intelligemment, astucieusement le système, utiliser le système contre lui-même dans un premier temps. C'est ça la première étape. S'il faut durcir, on durcira après. Il ne faut pas non plus se mentir. On n'est pas des bisounours. Mais on va donner une dernière chance au système. On va essayer une fois ou deux de faire passer un présidentiable, mais qui en fait disparaîtra et après rend immédiatement les clés du pouvoir et disparaîtra et l'aura signé avec son sang, pour dire... Moi, ce n'est pas le pouvoir que je veux, c'est le rendre aux autres. Donc, voilà une constitution temporaire, le temps qu'on écrive une constitution véritablement démocratique à sa place. Plein de gens ont théorisé ça. Je pense qu'ils sont super efficaces et que s'ils continuent chacun dans leur coin, bah, c'est très bien que le meilleur gagne. De toute façon, on convergera au bon moment. Mais je veux dire, c'est une manière de dire que je ne prétends pas avoir la science démocratique, infuse, etc. Parce que tous les gens qui sont autour de moi pensent qu'à un moment donné, il faudra qu'on converge, d'accord ? C'est la petite remarque en passant. Mais donc, le pari de l'intelligence collective, eh bien, c'est ça. C'est qu'il est possible, en effet, avec l'organisation d'une riposte face à toutes les ingénieries sociales dont nous sommes les victimes, et nous sommes à ce stade suffisamment lucides pour les verbaliser, hein, eh bien, cette riposte, bien construite, peut amener un nouveau logiciel démocratique sans que ce soit une folie. Je veux dire, qui plus est, à chaque fois, je croise des gens qui ont le doute là-dessus, je leur dis, bah, écoute, essaye et tu seras fixé. Petit clin d'œil à Étienne Chouard au passage, et je vais laisser le mot de la fin à Nadine. Et moi, j'étais ravie en tout cas de rencontrer Frédéric, et merci pour cette initiative, Stéphanie. C'était très enrichissant et très intéressant de l'écouter. Pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric, pour moi, s'il n'y a pas un nettoyage avant, si on ne fait pas table rase de tous les mauvais profils, si on ne dit pas « toi, tu n'es pas à la bonne place, toi, tu dégages, toi, peut-être, nous, on va voir, etc. etc. » Donc, il n'y a pas un garde-fou comme un profiler pour dire très clairement derrière « c'est niette, c'est comme ça, comme ça, comme ça,
reconstruire quoi que ce soit demain, on retombera exactement dans les mêmes schémas. Donc ça, il faudra passer par un système de transition, quel qu'il soit. Et dans cette transition, il y a obligatoirement un nettoyage. Et là, après, c'est là que les bons profils sortiront, c'est là que les meilleurs profils se mettront en place, c'est là qu'on va révéler ce qui est bon, qu'on fera quelque chose de complètement différent, mais qui correspondra plus ou moins à la grande majorité, ou pas, j'en sais rien, parce que je ne rentrerai pas dans la politique. C'est la phase d'après pour moi, en tout cas, la phase la plus importante et la phase grandement et gravement nécessaire pour éviter de reproduire tous les schémas qui existent depuis X millénaires, pour ainsi dire, ou plus ou moins X millénaires, en tout cas depuis trop longtemps, c'est le nettoyage. S'il faut un nettoyage, mais de chez nettoyage au Karcher, mais plus qu'au Karcher. Oui. Donc ça, c'est, pour moi, c'est indispensable. Et je ne suis pas la seule à le dire et à le penser. Et il faudra vraiment le faire, sinon ça ne fonctionnera pas. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les deux. Quelque chose me dit que vous allez vous retrouver. Et je vous dis à très bientôt. Un immense merci. Salut, salut. Merci. Belle rencontre. Partagez.